Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 18 février 2024. C'est une équipe qui est investie pour redorer le blason de l'école béninoise. Les membres du Collège du Conseil national de l'éducation ont été installés mardi dernier au palais de la Marina par le chef de l'État, Patrice Talon, qui attend de cette deuxième mandature du CNE des réformes audacieuses pour changer le visage et la forme du système éducatif béninois. Un défi énorme sans doute, mais quelles sont les attentes des syndicats vis-à-vis de cette mandature? C'est le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, Cosi Bénin, qui nous répond. Noël Chadaré est notre invité de la semaine. Il nous dira également ce qu'il pense de la mise à la retraite d'office de plus de 1000 agents des forces de défense et de sécurité. On connaît depuis dimanche dernier le vainqueur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la Côte d'Ivoire, pays organisateur, qui a été sacrée championne pour la troisième fois de son histoire. Notre invité média était sur place et a suivi les différentes rencontres. Avec Nazaire Vicou, directeur de publication du quotidien Le Pays émergent, on va revenir sur le déroulement de cette compétition et tirer les leçons qui pourraient servir à la qualification des Guépards à la CAN Maroc 2025. Et à notre dernier rendez-vous de ce dimanche, nous serons en musique pour nous détendre quelque peu avant de se séparer. Winner est notre artiste de la semaine. À son actif, un album et plusieurs singles. Ananou est sa dernière signature. C'est un feat réalisé avec Fanny Sena. Morceau à découvrir dans cette émission. Mesdames et messieurs, ainsi se présente l'ossature du grand format de ce dimanche. Merci de nous recevoir chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, lancement de la campagne de prospection scientifique, d'évaluation des stocks et d'études de l'écosystème marin du Bénin. Les travaux vont se dérouler à bord d'un navire de recherche. 14 scientifiques du Bénin et du Maroc vont conduire les opérations. On en parle dans un instant. On parlera également de la journée d'échange avec les retraités et les acteurs de la chaîne de retraite et de pension du Bénin. Elle est organisée par le ministre du Travail et de la Fonction publique. Objectif évalué. Les réformes de mise à la retraite et de liquidation automatique de la pension des agents de l'État. Images et reportages à suivre. À suivre également les réactions des candidats au BPC de la ville de Natitengo au sujet de la réforme du gouvernement qui fait désormais obligation à tous les candidats à cet examen de composer en physique et en langue vivante de quoi cela retourne. Vous le saurez dans cette émission. On démarre avec le journal. La campagne de prospection scientifique, d'évaluation des stocks et d'études de l'écosystème marin du Bénin a été officiellement lancée. Les travaux vont se dérouler à bord d'un navire de recherche de l'Institut national de recherche halieutique du Maroc. Au total, 14 scientifiques du Bénin et du Maroc ont été sélectionnés pour mener à bien cette recherche dans la zone économique exclusive du Bénin. On va faire le point avec Teddy Goudalo. La coupure de ruban est conjointe entre le ministère béninois de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et l'Institut national de recherche halieutique du Royaume du Maroc. Mais dans les mains, ils vont entreprendre une étude multidisciplinaire visant à évaluer les stocks halieutiques et l'état des lieux de l'écosystème marin dans la zone économique exclusive du Bénin. Nos pays respectifs éprouvent la nécessité d'évaluer leur stock halieutique. Ainsi, le Bénin qui emboîte le pas au Libéria n'a pas hésité à se tourner vers le Maroc qui dispose de la logistique et des compétences idoines. Sous la houlette donc de la COMAFAT, des discussions ont abouti à la signature d'une convention entre l'INRH, qui est l'Institut national de recherche halieutique du Maroc, Al-Hassan Al-Maraki du Maroc et les autorités du Bénin. Les travaux vont se dérouler à bord de ce navire de recherche le plus moderne de l'Institut national marocain de recherche halieutique. C'est une plateforme innovante équipée de 5 laboratoires avec une capacité de mener des campagnes pluridisciplinaires sur les écosystèmes dans les domaines de l'évaluation des ressources marines, de la chimie, de la biologie et de l'océanographie physique. En effet, le Bénin et le Maroc ont en commun l'ambition et la vision d'exploiter et de valoriser d'une manière durable
les produits et les services offerts par leurs espaces maritimes à travers le développement d'une économie bleue durable et génératrice de bien-être humain et des communautés locales. En effet, en tant que membre de la communauté atlantique africaine, le Maroc et le Bénin partagent non seulement des ressources maritimes, mais aussi des défis et des opportunités. La cérémonie de ce jour se veut un point de départ, je dis plutôt un programme de gestion durable de nos ressources halieutiques qui requiert la connaissance du potentiel disponible. La mise en œuvre de stratégies pour une utilisation rationnelle de ce potentiel. Pour y parvenir, il est impérieux pour notre pays de préparer et réaliser de façon régulière l'évaluation des stocks halieutiques de nos eaux marines, la détermination des quotas de pêche, l'identification des mesures de résilience, avec l'appui des activités connexes génératrices de revenus et enfin un bon système de suivi de mise en œuvre de ces mesures. Les deux autorités ministérielles du Royaume chérifien et du Bénin ont eu un tête-à-tête avant la cérémonie de lancement. 14 scientifiques béninois et marocains sont sélectionnés pour mener à bien cette étude de l'écosystème marin du Bénin, 7 jours durant en mer. Pendant 7 jours donc, l'écosystème marin du Bénin sera étudié par des scientifiques de renommée internationale. Mais avant, le lancement de la campagne, un forum halieutique s'est ouvert entre les délégations du Royaume du Maroc et le Bénin. Il a porté sur le thème priorité de coopération bilatérale en faveur du développement du secteur halieutique comme locomotive de l'économie bleue. Et pour plus de précisions, on va retrouver Teddy Goudalo. Entre le Bénin et le Royaume du Maroc, il existe désormais un accord de coopération halieutique. Cette signature des ministres en charge des questions de pêche maritime des deux pays matérialise ce désir. Les signatures sont à poser sur les différents documents à l'occasion de ce forum halieutique qui porte sur la thématique « Priorité de coopération bilatérale en faveur du développement du secteur halieutique comme locomotive » de l'économie bleue. Notre volonté commune de saisir toutes les opportunités qu'offrent les secteurs halieutiques et de l'économie bleue s'appuie sur d'abord la nécessaire solidarité pour faire face ensemble à tous ces défis qui se profilent et qui sont nés notamment du dérèglement climatique. On l'appelle changement climatique, mais en réalité, il y a un dérèglement à la racine et qui donne ces changements. Et évidemment, ces troubles géopolitiques que vit le monde aujourd'hui. Et sur, bien sûr, nous voulons également mobiliser et valoriser les acquis et l'expérience de développement du secteur halieutique dans nos deux pays. Les documents signés fixent les principes et les modalités de mise en œuvre de la coopération dans les domaines de la formation, de la recherche scientifique et technique en matière de pêche maritime et bien d'autres. La rencontre se veut un moment d'échange entre des opérateurs et des professionnels des deux pays. Lorsque son potentiel est bien exploité, l'économie bleue pourra apporter des réponses aux défis à court, moyen et long terme, tels que la lutte contre les pertes de la biodiversité, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la réduction de la pauvreté et la recherche de mesures de résilience des pressions grandissantes sur les ressources naturelles. Vous comprenez donc bien avec moi que les ressources halieutiques doivent désormais représenter pour notre pays un enjeu capital. Elles doivent faire l'objet de stratégies économiques et politiques opposant divers acteurs à différentes échelles. La séance de travail s'inscrit dans le cadre d'une ambition commune, celle du renforcement des liens et favoriser les partenariats institutionnels et privés pour pleinement exploiter le potentiel économie bleue.
Autre sujet de l'actualité, à présent, la société Biopharm installée à Zé ouvre les portes de son unité de transformation de jus de fruits. Elle est l'une donc des bénéficiaires du financement du programme de partenariat entre le gouvernement du Bénin et la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique. L'infrastructure a été mise en service ce vendredi en présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Reportage. Des comptes éco pour le Ruban déjà. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, l'action? Biopharm met en service, aux côtés du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, son unité de transformation de jus de fruits. La structure est constituée d'une unité de production, d'un bloc administratif et d'un magasin de stockage des produits finis selon les normes requises. Implantée au quartier Wawata-Hunto, dans l'arrondissement de Yorkpo, commune de Zé, l'unité de transformation de jus de fruits, notamment l'ananas, est une belle opportunité pour les producteurs et jeunes de la commune. Toutes ces réalisations faites avec les tests de fonctionnalité réussis de la ligne de production nous permettent de passer d'un rendement avant l'appui de 30% à 47% aujourd'hui. Notre seul challenge actuel réside en la maîtrise de la consommation d'énergie et la personnalisation de nos contenants. Cet partenariat stratégique permet de promouvoir maintenant le développement économique, la compétitivité et la rentabilité des petits exploitants agricoles, des coopératives, des petites et moyennes entreprises locales et en particulier dans l'agriculture et les transformations de produits agricoles tels que l'ananas, le manioc, le maïs, les noix de cajou, noix de karité. L'unité de transformation de jus de fruits est le fruit d'un partenariat entre les gouvernements béninois et américains à travers la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique. L'entreprise a bénéficié d'un appui de près de 145 millions pour mieux asseoir ses activités et améliorer son plateau d'intervention. Occasion pour le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi de réaffirmer une fois encore la disponibilité du gouvernement à accompagner toutes les initiatives d'auto-emploi et de la création de richesses. Pour cette année 2024, nous avons 1 milliard pour accompagner les micro-petites entreprises immédiatement disponibles. Je dis bien immédiatement disponibles. Nous ne sommes pas une banque. On ne vous demandera aucun titre foncier, aucune garantie. On veut simplement savoir que vous êtes déjà en activité ou que vous avez un projet de vous installer et que vous intervenez dans une des nombreuses spéculations qui sont prises en charge. Biopharm est une entreprise semi-artisanale de production, de transformation et de commercialisation des produits agroalimentaires locaux sans ajout d'eau ni de produits chimiques de conservation. La société a une capacité de production de 2500 à 3000 tonnes d'ananas, pain de sucre, produits au Bénin. Elle est en attente d'une autorisation de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments pour aller à la conquête des marchés locaux et régionaux. De leur côté, les forces armées béninoises se préparent activement pour mieux faire face à d'éventuelles menaces terroristes en milieu urbain. À cet effet, une opération de simulation a été organisée de concert avec la police républicaine jeudi dernier à Cotonou. L'exercice militaire baptisé Metropolis 2024 a été accompagné d'une opération de consultation gratuite par les médecins militaires. Reportage. Nous sommes à Goudoumé, plus précisément à Togbendahou. Un commando de djihadistes armés jusqu'aux dents attaque un immeuble et prend plusieurs personnes en otage. Alerté à travers un fort détachement, les forces armées béninoises riposent. Pick-up, tank, hélicoptère, tous les moyens appropriés sont mobilisés dans le cadre de cette bataille qui a duré plusieurs heures. Sur tout l'espace concerné par les hostilités, des soldats en faction prêts à intervenir. Au terme de cette opération interarmée et interministérielle dénommée Metropolis 2024, les forces de défense et de sécurité du Bénin réussissent à neutraliser l'ennemi. L'exercice Metropolis 2024 a trois objectifs essentiels.
Le premier, c'est de tester les savoir-faire des forces de défense et de sécurité en cas de survenance de crise en zone urbaine. Le deuxième objectif est de tester la coordination en notre sein. Et le troisième, la coordination avec les camarades des forces de sécurité. Aujourd'hui, l'armée a commencé par s'apprêter à une éventuelle, on ne sait jamais, ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est déjà arrivé à Grand Bassam, à se préparer pour contrer toute attaque dans une agglomération urbaine. C'est tout ce qui motive aujourd'hui l'exercice de ce jour. En marge de cet exercice, le ministre délégué chargé de la Défense nationale et son homologue de l'Intérieur et de la Sécurité publique sont descendus au centre de santé publique de Togbendaho. Objectif, constater le déroulement d'une opération de consultation gratuite et sensibiliser les populations sur le rôle qui leur incombe dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est le volet assistance médicale aux populations. Je crois que ça, c'est un volet qui crée un lien fort entre nos forces de défense et de sécurité et nos populations. J'ai vu des médecins spécialistes, des généralistes au travail avec beaucoup de détermination. Sans renseignement, sans collaboration avec l'environnement dans lequel l'armée évolue, il n'y a pas beaucoup de chances d'aller loin ou de gagner. Donc, les actions médicales gratuites ont pour but de ramener la population à l'armée. Métropolis 2024, c'est une mobilisation de plus de 800 soldats et 82 moyens matériels. À la fin de l'opération, les autorités partent satisfaites. Dans le reste de l'actualité à présent, le ministre du Travail et de la Fonction publique a organisé une journée d'échange avec les retraités et les acteurs de la chaîne de retraite et de pension du Bénin. L'objectif est d'évaluer la réforme de mise à la retraite et de liquidation automatique de la pension des agents de l'État. Une journée qui a permis de recueillir des avis et des recommandations des participants en vue d'une amélioration du système. Le reportage est signé Florence Bossou. C'était la journée d'évaluation de la réforme de mise à la retraite et de liquidation automatique de la pension des agents de l'État ainsi que ceux du secteur privé. Elle visait à faire le point du dispositif mis en place pour apporter les améliorations nécessaires. Plusieurs réformes ont été initiées par le gouvernement pour améliorer la gestion de la chaîne de retraite et de pension, dont celle relative aux nouvelles modalités de mise à la retraite et de liquidation automatique de la pension. Grâce à cette action, nous pouvons affirmer aujourd'hui que la retraite peut être vécue autrement dans notre pays. En effet, elle a cessé, à bien des égards, d'être une hantise pour l'agent de l'État ainsi que les travailleurs du secteur privé. Une pension de retraite constitue un minimum vital pour les agents de l'État. En adoptant la réforme sur les nouvelles modalités de mise à la retraite, le gouvernement s'est engagé à mettre fin, entre autres, à la constitution de dossiers contenant une trentaine de pièces. Aujourd'hui, l'agent de l'État n'a plus à produire de dossier avant d'être admis à la retraite. Sur la base des informations disponibles dans le fichier unique de référence, nous programmons les départs à la retraite déjà 12 mois avant la date probable de l'admission à la retraite des agents de l'État. Tout à l'heure dans l'atelier, moi je suis de la FNRB, de l'administration publique. C'est tout à l'heure, j'ai suivi un peu ce qui se fait au niveau de la CNSS. Je suis un peu surpris parce que je ne savais pas exactement ce qui se faisait. Je suis un peu surpris de ce que j'ai entendu tout à l'heure dans la salle par rapport aux réformes également au niveau de la CNSS. Il est vrai, ils ne sont pas encore au niveau de l'administration générale ou un mois déjà, mais l'effort est également fait à ce niveau-là, où l'attente n'est plus aussi longue. On a parlé tout à l'heure d'un mois et demi, deux mois. Je crois qu'également à ce niveau, il y a un effort considérable qui est réalisé. La journée a permis de recueillir les impressions et suggestions des participants en vue d'améliorer et de rendre pérenne cette action pour le bonheur des retraités du secteur public et du privé.
On en vient maintenant à cette réforme introduite dans l'organisation des examens scolaires au Bénin. À partir de juin 2024, tous les candidats au brevet d'études du premier cycle devront composer en physique et en langue vivante 2. Une décision qui viendra corriger un certain nombre de situations auxquelles étaient confrontés les apprenants quant au choix de leur filière. Dans ce reportage de Régis Hippolyte Agosso, nous vous proposons les réactions des candidats de la ville de Natitiango. Plusieurs mois déjà que la réforme dans le domaine des enseignements au Bénin a annoncé un nouveau format dans la composition des épreuves du BEPC au Bénin. Désormais, en effet, tout candidat au brevet d'études du premier cycle devra composer en SPCT et en langue vivante 2, contrairement à ce qui se faisait et qui donnait la possibilité au candidat de faire un choix, d'où le modèle court et le modèle long. Les candidats avaient la possibilité au BPC de composer physique ou les langues allemand ou espagnol. Donc il y avait MC, il y avait MR. Mais aujourd'hui, avec le nouveau format, il n'y a plus de choix. Ici, il faut dire que ceci va et dans la ligne droite des options du gouvernement, de la politique gouvernementale qui consiste à valoriser l'enseignement technique et formation professionnelle. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les candidats de Natitiango sont aussi heureux que satisfaits de cette décision. Moi, je suis très content de cette nouvelle, car avec l'allemand, même si je travaille par exemple en PCT maintenant, si j'ai une bourse allemande maintenant, je peux aller en allemand et travaille là-bas. Oui, je suis très content pour ça. Et encore, si tu as la possibilité, tu peux travailler dans les deux matières et avoir brillamment ton BEPC. C'est une très bonne nouvelle parce que ça permet aux élèves de faire n'importe quel travail. Parce que sans les physiques, on ne peut rien faire. C'est nécessaire de faire les deux selon moi parce que si on a de bons niveaux dans les deux matières, soit en physique ou en allemand, c'est bon dans la vie courante. Des réactions qui prouvent le travail combien important qui a été fait sur le terrain par les acteurs à divers niveaux de l'enseignement secondaire de la Takora depuis la naissance de cette réforme. On les a déjà mis en confiance et on les accompagne dans toutes les matières pour que certains élèves qui délaissaient certaines matières parce qu'à l'examen, il va faire ML ou MC, pour beaucoup plus se mettre au travail dans les différentes matières qui étaient au choix pour les différents examens. Donc ici, à Yimpolima, les enfants ne sont pas stressés pour autant par rapport à cette nouvelle formule du BEPC. Nous avons demandé aux AE de PCT de renforcer ces apprenants-là pour leur donner le goût des PCT. Parce que c'est leur matière qui est valorisée. Pour que les enfants ne prennent plus la PCT comme une matière compliquée. Mais les mettre dans le bain, les rassurer, les renforcer, faire des rémédiations avec ces enfants-là pour que au BEPC 2024, qu'ils s'en sortent bien. Et cela pour le bonheur de notre système éducatif. Les apprenants de Natitiango, candidats au BEPC 2024, voient en cette décision une porte ouverte à plusieurs possibilités de travail dans l'avenir. Cette nouvelle formule a beaucoup d'avantages parce que je peux mieux me défendre en espagnol. Au second cycle, je peux choisir entre la A, la D et la C. Selon moi, c'est une bonne décision parce qu'à notre ère maintenant, tout c'est la science même. Et même dans la vie active, ça fait que je pense que c'est une bonne décision que le gouvernement a prise. Voilà pourquoi chacun a pris ses dispositions pour y arriver. Avant, je ne peux négliger l'espagnol, je me concentrais sur la PCT. Maintenant, je me concentre plus sur l'espagnol. Je me concentre sur l'espagnol et la PCT à la fois. Depuis l'année passée, comme on faisait l'allemand et la PCT depuis la 4e, on a déjà prévenu que cette année, il y aura la PCT et l'allemand. Donc depuis en 4e, moi, je mettais le paquet. Je traitais beaucoup d'exercices et beaucoup d'épreuves. Bon, moi, j'avais choisi la série, la deuxième langue vivante allemand, parce que je voulais faire en second cycle la série A1. Mais lorsque le gouvernement a pris la décision qu'on doit composer la SPCT. Bon, j'ai pris mes dispositions, j'ai commencé à
traiter plus d'exercices. En tout cas, à Natitengou, les candidats au BEPC ont fait leur ce nouveau format de composition du BEPC et malgré tout, entendent profiter de cette occasion qui, disent-ils, leur permettra à l'avenir d'être plus aptes à choisir leur série et aussi, dans l'avenir, à embraser n'importe quel domaine d'activité. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc le dernier sujet du point de l'actualité pour le compte de cette édition dans la suite du grand format La Page. Invité dans un instant, Noël Chadaré sera avec nous. Il est le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, Cosi Bénin. Il nous dira les attentes des syndicats vis-à-vis de cette mission confiée au Collège du Conseil national de l'éducation par le chef de l'État. Il nous dira également la position de sa confédération au sujet de la mise à la retraite d'office de certains agents, donc des forces de défense et de sécurité. Tout ça, c'est juste après la pub. Cinq ans pour opérer des réformes audacieuses au fin de redorer le blason du système éducatif béninois. La mission assignée au Conseil national de l'éducation par le chef de l'État, donc est grand. Ses membres ont été installés mardi dernier par le chef de l'État, Patrice Talon. Les syndicats aussi ont leurs attentes. Et pour donc connaître donc ce qu'ils attendent de cette mandature, nous avons sur ce plateau le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, Cosi Bénin. Monsieur Noël Chadaré, bonjour. Oui, bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Oui. On va commencer à demander en tant que syndicaliste et enseignant comment se porte le système éducatif béninois aujourd'hui. Je vous remercie. Je vais, avant de dire un mot sur le sujet, saluer ceux qui nous suivent en direct, c'est-à-dire les téléspectateurs de la télévision Canal 3. Je leur souhaite un agréable dimanche, une excellente journée dominicale. Alors, comment le système se porte? Ben, je dois dire qu'il y a des efforts qui ont été faits et que le système se porte mieux, de mieux en mieux, même s'il y a beaucoup de choses à revoir. Mais vous avez vu, avec le travail qui est fait par les enseignants, qui se donnent vraiment à corps et à cri, qui font des efforts pour donner le meilleur d'eux-mêmes, le corps de contrôle qui fait du très bon travail, l'administration primaire comme au secondaire qui se s'y met. Il y a des efforts qui sont faits. Ne pas les reconnaître pour dire qu'on est au statu quo, c'est pas juste. Mais il y a vraiment... Le système va de mieux en mieux. Même s'il y a beaucoup de choses à dire et à redire et à faire. Il y a des réformes depuis quelques années, des réformes qui ont été opérées. Concrètement, ont-elles eu un impact sur, on va dire, l'amélioration du système éducatif béninois? Oui, avec le CNE, bien sûr. Oui. Il y a des efforts qui sont... Le CNE qui est installé, et je crois qui fait aussi du bon travail. Mm-hmm. Du bon travail, parce qu'il y a des avis qui sont émis, dès qu'on y sont saisis, on peut dire que ils émettent les avis, même si on peut retenir qu'il manque un peu de célérité. Ouais. Ça met un peu du temps. C'est CNE qui chapeaute les trois ministères, secondaire, primaire et supérieur. Ouais. Mais qui insuffle, n'est-ce pas, du sang neuf, un certain dynamisme à ces trois. On va revenir sur les attentes. Je crois qu'il y a des efforts qui sont faits, mais il y a des choses à revoir complètement. D'accord. Et c'est pour ça que il faut qu'on critique
pour qu'ils profitent de nos critiques pour s'améliorer. D'accord, on va revenir sur la mission, même ce que vous attendez donc de cette mandature du Conseil national de l'éducation. Mais on va parler, on vient de suivre un reportage sur le nouveau format de l'organisation du BEPC au Bénin. Quelle est votre opinion sur cette réforme? Je dois dire que je ne suis pas souvent quelqu'un qui, quand je pense quelque chose, je le dis. J'ai vu des réformes que je n'ai pas appréciées. Comme la réforme sur les communes, comment on appelle ça, les réformes dans le secteur de la décentralisation, qui n'ont pas été, que je n'ai pas apprécié, parce que l'attelage qui a été fait n'a pas été un bon attelage et on a vu les conséquences. Mais cette réforme là, celle qui consiste à faire, à demander à tous nos apprenants et on ne parlera plus de modèle court, de modèle long, que tout le monde doit composer en sciences physiques. Tout le monde doit composer dans la langue vivante 2, tous nos apprenants dès la 4e. Bravo, c'est une très bonne réforme. D'accord. Moi, j'ai apprécié parce que j'ai vécu ça moi-même à la maison, chez moi. J'ai mon enfant dans cette cave qui était brillante en mathématiques, mais qui a refusé de faire la physique. Elle se retrouve dans les filières littéraires. Alors qu'elle aurait pu se retrouver dans une autre filière. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Nos enfants ne sont pas encore matures en quatrième pour dire qu'on va faire modèle court, modèle long. Il faut leur donner la possibilité de faire. Faut les obliger à faire la physique, les obliger à faire les langues vivantes 2 parce qu'on ne sait jamais demain. Ils peuvent se retrouver en Allemagne ou en Espagne et tout. Donc, c'est une très bonne mesure qui a été prise, qui fait obligation à tout le monde d'aller compétir au BEPC en composant en physique, en composant en langue vivante 2. Celui qui a eu cette idée a été très bien inspiré. D'accord. Et ça, c'est bien. D'accord. Maintenant, il y a les conséquences aussi. Oui. Parce qu'une chose, c'est dire, nous avons pris cette décision et que nous apprécions, mais est-ce qu'il y a des accompagnements qui sont nécessaires à faire? C'est-à-dire qu'il faut recruter des professeurs de physique, il faut donner les moyens à ces professeurs, les laboratoires, parce que la physique, ce n'est pas dans les classes, c'est dans les laboratoires, physique, chimie. Mm-hmm. Il faut qu'ils aillent dans les laboratoires. Il faut l'allemand, l'espagnol, tout ça, ces matières, c'est dans les bibliothèques. Il faut donc que nos écoles soient pourvues en bibliothèque, pourvues en laboratoire, qu'on équipe ces laboratoires, ces bibliothèques. C'est la seule condition pour que tout ce qu'on est en train de souhaiter soit vraiment profitable à notre pays. D'accord. C'est une très bonne chose. D'accord, on en parlait déjà. La deuxième mandature du Conseil national de l'éducation a été installée mardi dernier par le chef de l'État. Alors, d'abord, comment appréciez-vous le bilan de la première mandature? Oui, bilan qui, on va dire, relativement satisfaisant. Mm-hmm. Relativement satisfaisant. Ils ont pu faire ce qu'ils peuvent faire avec les moyens qu'ils ont. Mm-hmm. Et donc, ils nous ont donné le nombre d'avis. Le nombre d'avis, je crois qu'ils ont parlé de 900 avis, quelque chose comme ça, émis pour régler les problèmes posés à eux par les différents sous-secteurs de l'éducation. Mais je pense que, bon, c'est un début. Il y a eu peut-être sûrement, comme tout début, il y a quelques petits balbutiements, de petits problèmes. Mais là, maintenant, cette nouvelle mandature, on ne peut plus attendre, on ne peut plus mettre sous le coup des débuts, des balbutiements de début, ce qui va être fait. Ils ont fait ce qu'ils peuvent faire et on apprécie. Il y a des efforts qui ont été faits, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Maintenant, avec cette nouvelle mandature, on attend beaucoup de choses. D'abord, sa configuration, comment ce que je n'ai pas apprécié dans cette configuration, on a réduit, ils sont, je crois, à 13 maintenant. À 13, ils étaient un peu plus nombreux. Et on n'a pas vu la présence du syndicat. Les forces, on a vu, c'est technique, mais les techniques doivent s'accompagner de ceux qui sont les défenseurs de ceux des travailleurs dont on devrait normalement voir dans ce... Qu'est-ce que le syndicat veut apporter Non, le syndicat a son regard pour voir si ce qui est fait dans ce secteur. Pour revendiquer. Non, je ne sais pas revendiquer, mais c'est apporter ça, continuer, dire ce que vous faites, c'est bien, mais nous avons. Si on faisait comme ça. Parce que on peut faire des réformes avec des techniciens, mais nous sommes des hommes du terrain. Même s'ils diront que c'est des gens professeurs, des instituteurs, des conseillers pédagogiques, des inspecteurs et tout, mais nous avons notre touche parce que nous sommes là pour
protéger, défendre les intérêts des travailleurs. Si on prend des décisions qui ne sont pas justes, qui ne vont pas dans le bon sens, on peut réajuster. Parce qu'une chose, c'est de faire des réformes. Si sur le chemin, sur le terrain, dans la mise en œuvre, dans la pédagogie de mise en œuvre, s'il y a un choc, un blocus ou des réticences, ce ne serait pas bien. Donc, il faut travailler avec les partenaires. J'ai constaté que dans la configuration de cette CNE, de ce Conseil national plutôt, pas cette, de ce Conseil national d'éducation, on n'a pas la présence des partenaires. Et ça, c'est dommageable un peu. C'est un peu, on peut déplorer cela. Et ça, je devais le dire avant de dire un peu qu'est-ce qu'on les attend, ce qu'on attend de ces nouveaux CNE. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un canal de communication, de dialogue entre, on va dire, les partenaires et le collège donc, du CNE? Non, non. Nous, quand on a des problèmes, on écrit au gouvernement, à M. Baguedi Noël, le directeur, le président du CNE, et il nous reçoit. Ça, il faut le souligner. Et là, il vous reçoit aussitôt. S'il est coincé, il trouve toujours un canal pour recevoir. Voilà. Bon, ça fait que, quelque part, ça atténue ce que je suis en train de faire observer. Monsieur. Même si ce que je fais observer est juste. Et on devait avoir, dans les 13 ou les 14 membres, des représentants, des partenaires, des confédérations représentatives, il y en a trois. On devrait pouvoir les voir être là, au moins présents, pour suivre un peu ce qui se passe. Mais on n'en a pas. C'est voilà un peu ce que je déplore. Quels sont maintenant les chantiers sur lesquels vous les attendez? Vous savez, le CNE, c'est une très bonne chose pour nous, parce qu'on est plus écouté là. Mm-hmm. Quand on a des problèmes, on va là-bas, ils font ce qu'ils peuvent faire. Ce qu'on attend du CNE, moi, personnellement, en tant que secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes, ce qu'on attend, il y a des points chauds. Oui. Il y a des problèmes qui sont là, qu'ils ont sur la table. Et c'est de les affronter parce qu'on a trouvé que l'autre CNE, qui est l'autre mandature, il manque de célérité, la célérité dans le règlement des problèmes. Oui. Ça met du temps. Ça met du temps. Et la communication autour de ce qu'ils font, on n'a pas une communication. C'est un peu une sorte d'omerta. Il faut qu'ils sortent de cette situation d'omerta et qu'ils puissent communiquer. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et il faut qu'ils fassent les choses de façon un peu plus rapide. Ça traîne les dossiers qu'on leur envoie. Ce que moi j'attends en tant que secrétaire à COSI par rapport à ça, il y a il y a un problème à leur niveau actuellement. Et je souhaite vraiment que une priorité soit donnée au règlement de ce problème. À savoir que nous avons les formations des anciens 2012, 2014, 2016 qui sont en formation, n'est-ce pas, dans les différentes écoles normales. On les appelle pour être regroupement à partir de demain. Mais il y a de l'injustice parce que il y a des gens qui ont une licence technique professionnelle. La licence technique professionnelle, c'est dans les tests qui disent que les tests disent qu'ils doivent être classés en catégorie A3 et donc au même niveau que la maîtrise, et donc ils doivent être formés avec ils sont équivalents maîtrise, ils doivent être formés pour le CAPES. Mais on les a envoyés être formés pour... On les a mis d'abord en B1 et on les a envoyés être formés, n'est-ce pas, au niveau... Pour être formés enseignant, professeur adjoint. C'est une injustice. Pendant que dans le même temps, certains ont eu cette faveur, mais je ne sais pas comment ça s'est passé, qui ont été formés pour devenir professeur certifié. Eux, ils ont été discriminés négativement. Et donc, je vais porter la COSI Bénin, le secrétaire général que je suis, à porter ce différent au niveau du ministère de l'enseignement secondaire. On ne s'est pas entendu. On a porté le différent au niveau du ministre du Conseil national d'éducation, monsieur le président Noël Baguiti, très informé de cela. Et donc, je lui ai donné les dernières informations, je lui ai donné pour qu'il comprenne qu'on a fait signer un contrat aux gens comme élèves pour être certifiés. On lui a retiré le contrat après, on les a rappelés pour leur retirer le contrat, pour leur faire signer un contrat rempli à blanc. Et nous avons les éléments. Ça veut dire quoi? Rempli à blanc, et on dit ils sont des instituteurs, des élèves professeurs adjoints. Et ils avaient signé les professeurs certifiés. Donc nous avons eu les preuves que nous avons portées au niveau de monsieur Baguidi, le président du CNE, qui est un homme juste, qui est objectif quand il sait que les choses sont justes, et quoi qu'il ait fait. Donc je souhaite vraiment que le CNE, ce soit le premier dossier. Un des premiers dossiers, parce que je ne veux pas leur imposer leur timing, mais un des tout premiers dossiers à régler, parce que les anciens des lycées, des collèges techniques, les lycées techniques qui sont dans cette situation,
sont frustrés de ce que le traitement qu'il leur fait. Ils vont retourner demain en tant qu'élève professeur et adjoint, mais normalement devraient être élèves professeurs certifiés. Et il y a un autre dossier aussi, parce que ils ont 4 ans, ils ont été recrutés, les 2012, les 2014, 2016, 4 ans, n'est-ce pas, qu'ils ont fait, quand on veut les reclasser, on a oblitéré, occulté pas. Oui. On a occulté les 4 ans, on a décidé de leur compter les 2 années après leur reclassement, enfin leur contrat à durée indéterminée. Mais les textes de la République, le statut général de la fonction publique et les autres textes afférents disent n'interdisent pas de prendre en compte les 4 premières années de contrat à durée déterminée. Et donc, on est là-dessus, là, mais Madame la ministre de la fonction publique sait que nous devons nous rencontrer pour échanger cela. Mais le CNE saisit aussi de cela. C'est un problème à chaud aussi. Régler ce problème pour dire quelle est la situation qui doit être faite aux anciens. Est-ce qu'on doit laisser les 4 ans de contrat à durée déterminée? On ne doit pas. Ce serait d'ailleurs du reste un tort qu'on leur commet parce que les tests légitimes qu'on doit que cela soit pris en compte. Donc voilà un peu, il y a des problèmes chauds, il y a la situation des AME. Les AME, mais on a annoncé un grand renfort de publicité, nous avons fait tout ce que nous pouvons faire comme lobbying, plaidoyer, pour que les AME soient reversés après un certain temps. On a dit, mais c'est 1500, nous avons dit que 1500 c'est insuffisant, parce que à ce rythme, les gens vont se retrouver dans 10 ans avant d'être en contrat à durée indéterminée. Et donc, il faut revoir. Et ça, depuis, il y a un silence radio autour. On ne nous communique pas autour. Donc, le président du CNE. Est-ce que ces problèmes ont été portés à la connaissance du CNE? Et ils sont informés. En tout cas, ils sont informés. Nous, c'est un peu notre maison. Hein. On y va comme on peut. On pose des problèmes. Hein, parce que moi, je suis aussi du secteur, vous le savez. Oui. Hein, voilà. Donc, c'est des points chauds qu'on attend. La formation des enseignants qui attendent. Parce qu'il y a des gens qui ont eu les reversés, qui sont reversés 2008, d'autres enseignants qui ont déjà fait professeur adjoint plutôt, de 2000, les promotions 2010, 2012, 2014, qui ont déjà un diplôme professionnel BAPES, mais qui attendent qu'on les forme pour le CAPES. Ah, parce que c'est dit après 3 ans. Et on attend tout ça. Donc le CNE a du boulot. Et il faut qu'ils se mettent au travail avec célérité pour régler ces problèmes qui sont des priorités pour les travailleurs. Et je sais qu'ils vont faire le faire, même si je m'inquiète du nombre, de la réduction du nombre de gens qu'on a, parce qu'ils sont passés à 13. Tout à fait. Mais voilà. Tout à fait. Un autre sujet avec vous, très rapidement, M. Noël Chadari. Je le disais, plus de 100 agents des forces de défense et de sécurité sont mis à la retraite d'office. La décision, donc, fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis quelques jours. Alors, sur la question, on ne vous a pas entendu pratiquement. Pourquoi? Non, peut-être vous, Canal 3, oui. Puisque j'ai eu réagi sur d'autres chaînes de télévision, oui. D'autres chaînes de radio, par exemple Cap FM. Donc j'ai dit un peu ma stupéfaction. J'ai été stupéfait d'apprendre comme ça, comme tout le monde. Hein. C'est un peu un coup de tonnerre dans le ciel. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe que ces gens soient mis à la retraite de façon anticipée? L'émotion a été grande pour tout le monde, parce que les gens n'étaient pas préparés. Et donc, il faut comprendre qu'on n'était pas d'accord avec ce qui a été fait. Dans la forme, ce n'est pas bien qu'on procède de cette manière, parce que si on doit procéder, on doit envoyer des gens à la retraite, même si c'est les textes dans le fond qui le disent, il y a un texte qui légitime cet acte, la forme qui a été utilisée a été cavalière. Cavalière et n'est pas très mauvaise forme de l'annoncer à des gens qui s'y attendaient le moins brutalement que ben ils vont à la retraite. La forme n'est pas bonne. Il y a une mesure, une pédagogie de mise en œuvre d'une loi. Elle a fait défaut de façon criarde. Elle a fait défaut. On aurait pu trouver les moyens pour échanger avec eux et tout ça. Donc dans la forme, on n'a pas apprécié. Et tout le monde, tous les Béninois ont dit ah c'est pas normal. Maintenant quand on regarde dans le fond, il y a une loi qui a été votée en 2020 par une assemblée, ça a été voté nuitamment, comme d'habitude, cette assemblée nationale, cette législature que vous connaissez, voter une loi pour dire, tout le monde va à la retraite conformément au statut de la fonction publique, mais toutefois, les agents FDS peuvent être à la retraite après 20 ans. C'est ça. Oui. C'est ça qu'on a mis en œuvre. Maintenant, est-ce que la mise en œuvre là,
a été faite comme on doit faire cela. C'est ça un peu. Parce que des gens qui ont plus de 20 ans, est-ce que c'est tous ceux qui ont fait 20 ans qui sont allés à la retraite? Il y a eu une sélection. Oui. Après, on a compris qu'il y a une sélection. On a sélectionné des gens. Mais c'est dit dans la loi aussi qu'il faut noter les gens. C'est noté. Il faut les noter. Et le supérieur hiérarchique doit informer celui-là, celui qui est sous lui, que vous avez tel autre parce qu'il y a telle situation. Et c'est dit, parce que quand on a vu une sélection, la sélection s'est appesantie sur les compétences, n'est-ce pas, les insuffisances physiques, mentales, et les compétences, l'insuffisance professionnelle. C'est ça, parce que c'est l'explication qui a été donnée. Mais est-ce que ces gens-là ont été informés de la note qu'ils ont eue et de ce qu'on leur reproche sur le plan mental, sur le plan physique et puis le plan professionnel? Non. Ils ne sont pas informés parce qu'ils ont la possibilité de demander, de faire recours, d'adresser un recours pour dire contester. Ils n'ont pas eu ça. Donc j'ai trouvé un peu ça. Il y a quand même des mesures sociales très importantes prises pour accompagner ces. Oui, c'est bien. Il faut apprécier ces mesures. Moi, j'ai vu tout ce qui est prévu pour ça. C'est bien. C'est bien. C'est des mesures humaines, sociales et tout. Mais pour eux, là, ce n'est pas ça. Ils n'attendent, c'est pas ça. Pour eux, quand ils sont en fonction, ils ont d'autres avantages que ne pourraient combler ces mesures qui ont été prises. Même si il faut apprécier que quand même quelque part on a mis du social, on a posé un acte pour leur faciliter un peu les deux premières années et tout ça. J'ai suivi un peu cela. D'accord. Donc voilà un peu. Je déplore tout simplement la méthode cavalière et le fait qu'on n'ait pas informé les gens, ceux qui sont concernés. Et qu'ils se retrouvent du jour au lendemain dans une situation qui n'est pas facile à gérer parce que quand vous ne vous prépariez pas à cela, c'est très dur pour vous. D'accord. Voilà. Et après 6 mois de suspension par la HAC, le groupe de presse La Gazette du Golfe donc, a décidé de licencier tout son personnel. C'est une très mauvaise nouvelle pour les concernés, également pour l'ensemble des acteurs des médias du Bénin. Que pensez-vous de la situation? Mais je pense que la HAC a fait un très mauvais casting. La HAC, c'est elle qui est responsable de cette situation. C'est la HAC, parce que nous, voilà des gens qui se retrouvent au chômage. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter cela? Nous avons appelé le camarade, le président, n'est-ce pas, Moretti de la HAC. Nous avons tenté de le joindre. Nous avons discuté avec M. Soumanou, Ansel Mamoussou et moi, pour comprendre qu'est-ce les tenants et l'aboutissant. Qu'est-ce qui se passe pour cette situation? Quand on a été saisi, on a appelé le monsieur Moretti, le PN là, pour le rencontrer, pour discuter, parce qu'on est dans le schéma de faire, on était dans la perspective de faire un plaidoyer pour ces gens. Maintenant, on n'a jamais eu la rencontre avec Moretti. Il est de demain, après-demain, il se retracte, il ne nous appelle pas, on ne sait pas qu'est-ce qui explique cette volte-face. On n'a jamais eu de discussion pour voir. Nous, Cosi Bénin, le secrétaire général Cosi Bénin, le secrétaire général de la CSA, on n'a pas eu la rencontre. Et on a traîné, voilà ce que ça entraîne. Je me réjouis de ce que j'ai écouté le chef de l'État. Et ça, je vais, n'est-ce pas, rebondir là-dessus. J'ai écouté le chef de l'État qui a dit, n'est-ce pas, qu'il n'est pas informé qu'il y ait un licenciement, n'est-ce pas, des gens, des travailleurs de Golf Télévision. Golf Télévision, c'est plusieurs groupes, c'est plusieurs. Il y a la radio, la télévision, la presse écrite et tout. On a dit que c'est la télévision qui est. Il y a un problème d'apologie de coup d'État. Mais est-ce que la presse écrite est responsable de ça? La radio est responsable de ça? On n'a pas possibilité d'en discuter. Moi, je vais demander au chef de l'État parce qu'il a été informé que. Mais, il y a eu séisme là-bas, on a renvoyé tout le monde, un licenciement collectif. Je vais demander au chef de l'État, l'implorer, le prier, faire le plaidoyer pour que, en tant que parent, puisqu'il est informé, chef d'État, le père de la nation, des gens, les familles sont en détresse, se retrouvent à la maison, puisqu'il est informé, qu'il puisse prendre ce dossier à bras-le-corps. Qu'il prenne ce dossier à bras-le-corps pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour colmater un peu les brèches, pour que cette maison, n'est-ce pas, qui emploie des travailleurs, nous, ce qui nous préoccupe, c'est les travailleurs. Comment faire pour que ces gens-là se retrouvent encore, se remettent au travail? À cette étape, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est un plaidoyer que moi, je peux faire. Comme je demande à tout le monde de demander au chef d'État de regarder,
de revoir cette situation de gens qui sont au chômage, qui ont été licenciés, les familles dans la détresse, ils se retrouvent en difficulté. Comment faire pour qu'on les puisse récupérer avec celui qui est le patron de la maison, Soumanou, échanger et voir comment il peut rouvrir. Parce que ben, c'est la détresse et ce n'est pas bon. On n'est pas dans une situation de... On ne veut pas voir les familles au chômage. Je demande au chef d'État de faire cet effort, de trouver une solution à cela. Et je sais que, comme il a dit qu'il n'était pas informé, il est informé. Je prie de prendre cela à bras le corps. D'accord. De trouver une solution. D'accord. Un mot de politique avant de vous laisser partir très rapidement. Vous suivez sans doute les débats sur la révision de la Constitution. Quelle est votre opinion sur tout ce qui se dit sur la proposition de loi? Non, moi je pense que le chef a déjà sifflé la fin de la récréation. C'est cette récréation. La récréation est terminée, vous normalement, oui. Si on veut crédibiliser, ça je le dis, hein, mm-hmm. Si on veut crédibiliser les propos du chef de l'État, mm-hmm. Si l'UPR et BR, les deux, mm-hmm. qui sont un peu la mouvance c'est présidentielle, qui sont représentés au Parlement, hein. La mouvance présidentielle, mm-hmm. qui sont là pour le chef de l'État, mm-hmm. si on veut crédibiliser la parole du chef de l'État, il devrait ranger dans les placards tout projet de révision de la Constitution. Il doit les ranger. Parce que le chef d'État dit, je ne veux pas qu'on touche à une virgule de la Constitution. C'est terminé. Il n'est pas demandeur. Ce présumé demandeur dit, il n'est pas demandeur. À partir de ce moment, il ne faut pas le faire. Il faut arrêter de continuer, même si on dit que ben, nous avons les prérogatives, nous sommes députés. Non. Il n'est pas demandeur et pour lui donner la crédibilité dans ce qu'il a dit, on ne devrait plus continuer. À moins qu'il y ait d'autres choses derrière. On ne devrait plus continuer. Donc moi, je trouve que... parce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas la révision qui est le problème des Béninois aujourd'hui. En quoi est-ce que ça gêne qu'on révise? Ce n'est pas la révision qui est le problème des Béninois aujourd'hui. Les Béninois ont des problèmes de vie côté de leur quotidien. Mm-hmm. Mais c'est ça, le pouvoir, n'est-ce pas, d'achat. Les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les acteurs politiques ont leur agenda, les citoyens... Non. Les acteurs politiques sont des mandants du peuple. Oui. Ils sont des mandants du peuple. Mmh. Un député est mandaté par son électorat, par le peuple. Mmh. Et donc, le peuple n'est pas dans... Quand vous écoutez, ils ne veulent pas de parler de la révision. Mmh. Et le chef d'État s'est mis en phase. Il est connecté avec son peuple. Quand il a dit, je ne veux pas qu'on touche à cela, pas une seule virgule, mais arrêtez, c'est terminé. Il faut ranger au placard ces projets de révision et puis penser à des choses plus importantes pour la population. D'accord. Mais continuer de persévérer, de faire comme si de rien n'était, alors que celui qui était présumé demandeur a dit « je ne veux pas mm-hmm. qu'on touche à une virgule », mais ce serait... Alors, il y a d'autres intérêts d'accord. qu'on ne comprend pas. D'accord. Voilà un peu. Merci à vous, M. Noël Chadaré, secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin COSI. Bénin, merci pour ces explications et surtout ce plaidoyer en faveur du personnel du groupe de presse La Gazette du Golfe. Très bonne journée à vous. Merci. Bien des choses à tout le monde autour de vous. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons à présent découvrir un projet que porte Thibaut le magicien, l'homme qu'on ne présente plus, la magie. Un tour dans le monde de l'invisible. Donc, c'est le projet qu'il présente aux autorités du pays. Il a été reçu cette semaine par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Avant d'en parler, que disent les internautes au sujet de la révision de la Constitution, le décès de Annick Balay et la célébration de la Saint-Valentin, c'est Florence Bossou qui nous conduit sur la toile. Voici ActuSunet. Amis de la rubrique Actu sur le net, bonjour. L'actualité au Bénin cette semaine sur les réseaux sociaux reste toujours dominée par le débat autour de la possible révision de la Constitution, alors que la succession de Patrice Talon à la tête du Bénin en 2026 cristallise aussi les attentions. En conférence de presse, le président est revenu sur plusieurs sujets d'actualité. Mais le sujet qui a le plus retenu l'attention des internautes, c'est bien sûr celui d'une possible révision de la Constitution. La position du numéro 1 des Béninois est très claire, il a confirmé en ces termes.
Je voudrais qu'il soit noté devant vous. Soyez mes témoins que je ne veux pas qu'on touche une virgule de la Constitution. Il ne faut pas le faire. Malgré ces propos du président Talon, on peut lire à travers certaines publications sur les réseaux sociaux que bon nombre de citoyens béninois sont très loin d'être convaincus. À travers un communiqué de presse rendu public, le parti de Claudine Affiavi-Prudencio, que bien soutenant les actions du chef de l'État, n'a pas hésité à marquer son désaccord concernant une quelconque révision de la Constitution avant la fin du mandat du président Talon. Également sur la page Facebook de la télévision nationale, les internautes ont commenté les publications concernant ce sujet en ces termes. Facile à dire, mais difficile à faire. Il peut changer de veste à tout moment. Si le président ne veut vraiment pas qu'on révise la Constitution, qu'il ordonne à Hassan de retirer le projet de proposition. Contrairement à ces différentes réactions, certains trouvent tout simplement que c'est le meilleur président au monde. Autre sujet qui cristallise l'attention des internautes, c'est bien sûr la mort de Annick Ballet, journaliste béninoise. Ce mercredi 14 février, à Paris, en France, des suites d'une maladie. Annick Ballet fut journaliste et animatrice à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Elle a été rédactrice en chef à la télévision nationale, d'où il démissionne en 2010 et redevient plus tard en 2016 comme chef programme de la chaîne. Elle est précédemment chargée de mission de l'actuel directeur général de l'OITB. Sa mort a suscité maintes de réactions sur les réseaux sociaux. Elle donnait une touche particulière au journal télévisé sur nos télévisions blanc-noir à l'époque. Mon croche quand j'étais encore gamin. Je me rappelle en 2002 sur la chaîne nationale. As-tu su le net, c'est également les vidéos et challenges qui animent la toile. Sur le réseau social TikTok, les abonnés n'ont pas manquer l'occasion de célébrer l'amour à travers diverses publications ce 14 février, la fête de Saint-Valentin. Voici une sélection des plus emballantes. C'est le 14 février, on va voir qui est amoureux, qui aura cadeau et qui va regarder statue. En tout cas, on est là, on va regarder vos statues. Bonjour à tous, j'aimerais parler aux Valentin et aux Valentines. Aujourd'hui là, s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas trouvé pour moi, donc je gaspille tout. Je ne suis même pas dans vous, je gaspille tout. Je m'en vais dans les restaurants, à la plage, dans les endroits que je sais que je peux vous trouver. Je vous gaspille. Saint-Valentin, là, on dit, c'est la fête des amoureux. Le gars a laissé sa femme mariée coucher là-bas. Et puis, il est venu te prendre au carrefour. Vous partez dans la résidence comme ça, il s'en va te baiser. Il va mettre cadeau ou fleurs dans ta main là. C'est ça que tu appelles sa fête des amoureux. Il ne faut pas ouvrir tes yeux. Hein. Chaque Saint-Valentin, tu seras baisé dans les résidences et dans les hôtels. C'est là comme ça. Depuis matin, il n'a même pas encore reçu message. Ah, elle demandait pardon. Non, Saint-Valentin, elle fait ça seul. Elle fait Saint-Valentin seul. Oh. Elle est pro en gâté foyer des gens. Saint-Valentin, moi, je ne connais pas Saint-Valentin. Nous, on a un frère Valentin qui est décédé. Mais Saint-Valentin, on dit c'est divin. Hein, parce que ici, là, Saint-Valentin, là, nous, on n'a pas marié, on fait pour nous dans quel quartier. Dites-moi, j'ai fait mes bagages, quoi. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Valentin. Je profite de cette occasion pour te souhaiter bonne fête de Saint-Valentin. Voilà, c'était à l'instant Actu sur le net avec Florence Bossa. Mesdames et messieurs, si vous venez de vous asseoir devant votre poste téléviseur, sachez que vous êtes à votre rendez-vous de tous les dimanches, le grand format sur Canal 3 Bénin, un rendez-vous d'information et de divertissement. Il vient d'être installé à Thibaut, le magicien. Bonjour. Sim salam bim, sim salam bim. Oui, ça veut dire quoi? C'est notre manière de saluer aussi. Alors, bienvenue sur le plateau du Grand Format. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, la magie, pour vous, c'est quoi?
Alors, la magie, c'est un art qui permet juste de tromper la vigilance des gens. Mm-hmm. La magie, c'est de rendre impossible ce qui est, de rendre possible ce qui semble impossible. La magie, c'est juste prendre un objet et le transformer devant un public. C'est tromper juste les gens. Alors, comment vous arrivez à tromper la vigilance alors que on vous regarde souvent attentivement, mais pourtant vous arrivez à tromper la vigilance donc des gens? Comment ça se passe? C'est notre métier. Et si on vous explique, il n'y aura plus la magie. Oui. On est tenu à garder le secret. D'accord. Alors vous, Thibault, comment est-ce que vous êtes devenu magicien? Alors, je suis devenu magicien à la quête de ce que je ne trouve pas dans mon pays. Oui. Donc, à l'époque, j'avais initié les premiers scènes slam, j'avais créé le premier cirque du Bénin. Mm-hmm. Et avec le cirque, on cherchait à toujours renforcer ce tas qui est de multiples tâches. Mm-hmm. Donc, à un moment, j'ai fait venir un magicien italien qui, le soir, a multiplié des bananes sur la table. Et ça m'a tellement choqué, je me suis dit, mais pourquoi je ne sais pas faire ça? Oui. Alors j'ai suivi la formation avec les jeunes du cirque, et après j'ai fait des écoles avec, en voyageant. Alors, j'ai fait des la magie, écoles. Ça s'apprend? Ça s'apprend, il y a des écoles, formelles où tu apprends et tout. Donc moi, j'ai fait des écoles en Italie et en France et tout. Donc aujourd'hui, j'ai même créé des coffrets de magie qui peut permettre à tout le monde d'apprendre de tout, de magie facilement ici au Bénin. Alors, vous savez que la magie, c'est un métier? C'est un métier. Moi, je ne vis que de ça depuis 2012. Je ne vis que de ça. D'accord. Alors, le Bénin va accueillir très bientôt le projet La magie, un tour dans le monde de l'invisible. Donc, c'est vous qui portez ce projet qui a été d'ailleurs présenté aux autorités de ce pays. Nous allons en parler. Alors, pourquoi ce projet? Alors, la magie, un tour dans le monde de l'invisible. En fait, au cours de mes voyages, et bon. Comme vous le savez, je suis le magicien le plus connu de toute l'Afrique. Mmh. Et ailleurs, quand je croise les magiciens connus d'un pays ou d'un continent, ils réalisent des choses qui sont diffusées sur des chaînes, qui sont diffusées sur Internet, un peu partout. Et nous, nous avons tellement de magiciens cachés dans nos couvents, cachés dans nos villages, et qui ont tellement de talent que même les Copperfield n'en ont pas. Mmh. Et l'objectif pour moi, c'est de sortir ces magiciens-là de leur trou et de leur donner une autre vie, une autre couleur, de permettre à ce qu'ils se vendent encore mieux. Parce que le Bénin, tout le monde a peur de nous. On parle de la sorcellerie, de magie noire, mais c'est des garants, des connaisseurs, des gens qui maîtrisent tellement l'art de ce qu'ils font que malheureusement, leur environnement, ou comme on ne met pas autant de lumière sur eux, ça fait que les gens les victimisent, les gens les traitent de sorciers, de si. Et l'objectif, c'est avec ce film documentaire de divertissement, le synopsis nous renvoie vers la tradition, vers la découverte des terres, vers la découverte de toutes les attractions touristiques du pays. On va sortir tout ça dans le film. On part dans un village. Une caméra derrière moi, par exemple, on peut aller à Dobo, oui. Là où il y a les maisons souterraines, où on parle des hommes à queue, et on trouve par exemple celui qui fait tomber la pluie, oui, dans ce village, et il va nous faire sa démonstration, fait tomber la pluie. Et moi même à côté, je peux faire un grand tour de magie, comme faire disparaître la statue de l'Amazone, oui, ou marcher sur l'eau à Ganvier, oui, ou disparaître ici, apparaître ailleurs, oui. Donc il y a tellement de trucs à faire pour et vendre le Bénin et vendre aussi la tradition, vendre la tradition, vendre la culture, mmh, vendre la culinaire et dire des anecdotes sur chaque coin et recoin où on passera. Voilà l'objectif principal de ce projet. Alors, ces magiciens qui sont dans nos couvents, dans nos régions, que vous allez peut-être, on va dire, révéler, après le projet, que vont-ils devenir? Déjà, quand on met la lumière sur toi, mm-hmm, ça permet déjà à tout le monde de venir. Et quand quelqu'un va vouloir aller découvrir, mm-hmm, ce coin, ah, mais on avait vu tel magicien. Par exemple, j'avais fait un spectacle la dernière fois où j'ai fait venir un gars du Nord qui joue avec des serpents.
qui s'appelle De Gaulle Panda. Mais subitement, d'autres chaînes sont allées à Titingou avec leur caméra pour le chercher, faire, voilà, pour faire des documentaires sur lui. Et aujourd'hui, plusieurs personnes m'appellent pour qu'ils viennent faire des démonstrations et on le paye. Voilà, ça crée des liens et ça ramène de la richesse. Donc ça ramène de la richesse. Je ne peux pas dire maintenant que je vais les réunir, les mettre dans un coin, non. Mais c'est des ouvertures. C'est des ouvertures pour évoluer. C'est ainsi aussi, nous-mêmes, on évolue. D'accord. Quelles sont les régions que vous avez déjà identifiées? Comment ça va se passer sur le terrain? Est-ce qu'il y a des départements qui sont ciblés dans le cadre de ce projet? Oui, alors, on va parcourir 12 départements, 12 départements du Bénin, et donc, disons tous les départements. Donc, dans chaque département, on ira chercher l'attraction touristique la plus typique, qui n'est pas beaucoup vendu ou qu'on pourrait encore vendre mieux et qu'on va mettre en exergue. Par exemple, on peut aller sur les Tata Somba, où je marcherai sur le Tata Somba à l'envers. D'accord. On peut aller par exemple à Grand Popo, où on va faire des grands trous avec les gens de Zangbeto, de Heve, de Badji ou de Ankinwe, de voilà, on ira dans tous les villages où il y a des attractions touristiques vendables. Donc, une façon de vendre donc davantage le Bénin, parce que l'objectif du PAG actuel, c'est de mettre le tourisme en avant. Et la meilleure manière de vendre un pays, ce n'est pas seulement en construisant des murs, des routes, c'est surtout nous les artistes et acteurs culturels qu'on doit mettre en avant. C'est nous qui devons porter des projets vendeurs. Quand un artiste par exemple tourne un clip quelque part, des milliers de personnes regardent. Et à chaque fois, on va quelque part, on dit « Ah oui, j'avais vu cet endroit dans le film. » Et ça ramène du tourisme. Donc nous, en tant qu'acteurs culturels, on est obligé de soutenir le gouvernement en portant des projets autour du gouvernement, de financer aussi ces projets-là qui vont nous permettre de vendre encore grandiosement le Bénin. Alors, comment est-ce que la population peut sur les différentes phases donc, de ce projet? Alors, à chaque tournage, on annoncera et le peuple peut venir. Par exemple, quand je vais vouloir faire disparaître la place de l'Amazon, cette idée venait de la première dame et de son fils Lionel Talon. On était au 10 janvier à Ouida et les deux m'ont mis en défi en disant que je ne peux pas faire disparaître la place de l'Amazon. Voilà. Et je dis, ben voilà ce que je dois intégrer dans le projet. Parce que c'est vendeur et c'est l'attraction touristique la plus qui fait vendre beaucoup plus le Bénin aujourd'hui. Donc, le jour où on va vouloir faire ça, on invite tout le monde, les autorités, tout le monde sera là et la statue va réellement disparaître devant eux. Et cinq minutes après, va réapparaître. Mais... Alors, est-ce qu'il y a une différence entre la magie d'hier et celle d'aujourd'hui? Oui, il y a une grande différence parce que la magie d'hier dont on parle, la magie de nos religions, de Vaudon, du couvent, est une magie qui ne se fait pas seule. Donc, ce n'est pas des tours que tu peux faire seul parce que tu appartiens à une communauté et qui garde le secret. Et quand tu fais partie de cette communauté-là, ce n'est même pas toutes les personnes de cette communauté qui ont le secret de la magie. Ouais. C'est parce que tu sais garder le secret qu'on te donne ce pouvoir. Mm-hmm. Ou je ne sais pas, moi je l'appelle pouvoir. Mais quand tu as ça, tu ne peux plus faire des tours tout seul. Ouais. Mais nous autres, aujourd'hui, qui faisons la magie moderne, on est libre d'aller où on veut et de faire ce qu'on veut, de ce qu'on a appris. Donc, la magie d'hier est totalement différente de ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, est-ce que dans le cadre de ce projet, vous faites venir d'autres magiciens, donc d'autres pays ou... Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Le sujet principal sera moi. Ça me vend aussi parce que pour se nourrir dans son métier, il faut se lancer encore plus loin. Pour l'instant, première phase, c'est sur le Bénin. Mais peut-être que si ça marche et ça passe sur les chaînes et que d'autres pays veulent qu'on fasse pareil chez eux, on ira. Parce que je sais que l'Afrique regorge de tellement de choses, surtout côté mystique. On a tellement de trucs à révéler, à vendre au monde entier. Mais on a souvent peur. Et c'est cette peur-là, moi, je voudrais enlever de la tête des gens. Parce que n'importe où je vais, que je me présente en tant que Béninois et que magicien, les gens me fuient automatiquement. Ah oui, pourquoi? C'est ça la vraie question. Oui. Pourquoi on doit nous fuir en tant que Béninois? Et quand tu dis, je me rappelle à l'Africain Incroyable Talent,
dans la salle, tout le monde disait, oui, si les Béninois, ils ne peuvent que faire que la magie. C'est normal. Mais tous les Béninois ne sont pas magiciens. Ouais. On a un journaliste à côté, on a des gens qui sont présidents de la République, on a des députés, on a des docteurs et tout. On a peur de nous pour notre art, pour notre savoir-faire. C'est un peu dommage. D'accord. Donc, c'est cette image-là que les gens ont de nous que j'aimerais pouvoir corriger. D'accord. Alors, mardi dernier, vous avez été reçu par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le député Barthélémy Kassa. Est-ce que vous avez le soutien du Parlement et même du gouvernement? Alors, pour l'instant, j'ai été très bien reçu et ça m'a beaucoup touché parce que l'honorable Kassa, je ne l'avais jamais vu, je ne l'ai jamais été en contact avec lui, mais il a pris le temps de faire des recherches sur moi et il était sidéré le jour-là pendant l'audience et il me faisait plein d'éloges. Donc, le projet est tellement intéressant, il m'a dit, et qu'il le portera vers le président de l'Assemblée pour voir quelle décision l'Assemblée pourra prendre pour pouvoir soutenir le projet. Et sur ça, j'invite aussi surtout le ministère de la Culture et du Tourisme, parce que c'est un projet normalement qu'ils doivent porter à 100%. Donc si jamais le ministre, M. Abim Bola m'entend, c'est un projet qui appartient au ministère, c'est un projet qui appartient en fait au Bénin. Ce n'est pas un projet de Thibault le magicien, mais c'est un projet totalement béninois qui doit normalement se faire soutenir par tous les membres du gouvernement et même de la société civile et toutes les sociétés privées qui veulent mettre la main à la pâte. Moi, je les invite à venir soutenir ce projet pour que ça soit quelque chose de mondialement connu. Parce que quand on regardait Dynamo à la télé et qui faisait des trucs époustouflants, on a vu Copperfield faire disparaître la statue de l'Amazon, de la liberté, pardon, et autres. On peut faire ça. Ils ne sont pas loin de nous. Nos gens de Zambetta ont fait plus que ça. Ouais. Donc, on peut faire au-delà de cela, mais c'est des moyens. Parce qu'il faut faire venir des grues, il faut faire venir des drones, c'est énormément, énormément de moyens. Il faut se déplacer tout le temps avec des sapeurs-pompiers, avec ci, avec ça. Ce n'est pas un petit projet, ce n'est pas... Parce que c'est beaucoup aussi de personnes qui travaillent derrière, des milliers de caméras, pour pouvoir rendre ça plus vendable pour les chaînes télé. Voilà. Alors, la tournée va commencer quand? Est-ce que le plan est déjà élaboré? Alors, normalement, si les moyens sont regroupés, on commence cette année. Mais j'attends pour trouver les premiers financements pour pouvoir lancer au moins le premier épisode. D'accord. Un mot à l'endroit de la population qui aime si tant Thibault le magicien. Un mot, simsalambim. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, lancez-vous dedans et le résultat tombe toujours bien. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, Thibault le magicien. Magicien et trompeur de vigilance. Merci de votre passage sur le plateau du grand format. On va suivre donc ce projet et voir ce que ça va donner. Merci. Une très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas notre dernier rendez-vous avec notre artiste de la semaine. Ce dimanche, c'est Winner qui sera avec nous. Il est déjà dans nos locaux, mais avant de le recevoir par ici, on va passer au décryptage de l'actualité nationale avec Nazaire Vicou. Il est le directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent. Voici d'abord la revue de presse hebdomadaire de Assiomo Kanyi Assiomo pour planter le décor. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire. La Nation indiquait mercredi que les membres du Collège du Conseil national de l'éducation ont été installés mardi 13 février au Palais de la Marina par Patrice Talon, président de la République, à l'exigence du chef de l'État de voir l'institution faire preuve d'audace dans les réformes. Les membres du Collège expriment un engagement ferme à répondre aux attentes. Le journal a de rappeler qu'en tant qu'organe de coordination, le CNE assure au sein du système éducatif national la cohérence verticale et horizontale des politiques, stratégies, normes, standards et pratiques. Puis, en tant qu'organe de suivi et évaluation, il garantit en permanence la bonne gouvernance du système,
Fraternité soulignait de son côté que pour le président de la République, Patrice Talon, les lignes ont significativement bougé dans le secteur éducatif et la mandature sortante du CNE rénové y a pris une part importante. Le journal le rapportait qui confiait, citation, « Il y a un peu plus de 4 ans, j'ai procédé ici même à l'installation du CNE rénové. À cette occasion, notre enthousiasme et notre espérance étaient manifestes, car j'étais convaincu qu'en raison de sa nouvelle architecture, le CNE animé par des personnalités de qualité serait un acteur majeur du renouveau du secteur de l'éducation de notre pays ainsi que de sa meilleure régulation. J'ai alors exhorté ses membres à exercer leurs fonctions avec abnégation, compétence, clairvoyance, sagesse dans un esprit coopératif pour impulser les performances du système éducatif. 4 ans après, je puis affirmer que le système éducatif national se porte mieux qu'hier et qu'il a amorcé son renouveau. » Fin de citation. Dans la suite et avec le matin, on peut lire en matière de politique et respect pour la séparation des pouvoirs d'État que le président Patrice Talon se tient depuis quelque temps dans la posture d'homme au pouvoir, vertueux du respect de la séparation des pouvoirs entre les institutions de l'État. Ses réponses aux différentes questions qui agitent en ce moment la classe politique nationale confortent bien ce constat. En premier, sur la question de la proposition de loi relative à l'amnistie accordée aux personnes sous condamnation du fait d'actes politiques et aux exilés, aux membres du parti d'opposition, les démocrates, le président Talon a tout simplement indiqué à ses hôtes, au cours des échanges tenus au palais présidentiel, la direction du Parlement, institution mieux compétente en la matière. L'autre quotidien notait quant à lui que dans un communiqué publié mardi, la Renaissance nationale a exprimé son soutien à la position du président Patrice Talon qui refuse qu'on touche à la constitution béninoise. Elle estime qu'il y a 2 options pragmatiques pour concilier les intérêts démocratiques et la mise en œuvre effective des réformes électorales. Claudine Prudencio appelle à modifier les articles 40 et 135 du Code électoral qui fixent le dernier délai de dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle à 50 jours avant le début de la campagne électorale. Elle rappelle aux parlementaires que la décision de la Cour constitutionnelle concernant le droit de parrainage ne devrait en aucun cas être prise comme prétexte pour justifier une quelconque révision de la Constitution à des fins politiques personnelles. Dans un tout autre domaine, l'économiste du Bénin révélait que malgré le taux de croissance du pays qui a connu beaucoup d'améliorations, au cours des dernières années, une grande majorité de Béninois tire le diable par la queue. D'après la note d'orientation publiée par l'Institut national de la statistique et de la démographie et le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, 54% de la population vivent encore dans la pauvreté et par ricochet sont victimes d'une situation de vulnérabilité. Et ce, en dépit des mesures du gouvernement pour réduire le niveau de pauvreté et améliorer les conditions de vie. Coopération avec le Maroc, soulignait la Nation du vendredi, dans le cadre d'un mémorandum d'entente signé entre le Royaume du Maroc, représenté par Mohamed Sadiki, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, et la République du Bénin, représentée par Gaston Dosoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, une action de coopération décisive sera mise en œuvre. Il s'agit de la réalisation d'une campagne de prospection scientifique par l'Institut national de recherche halieutique du Maroc pour le compte du Bénin, à bord du navire de recherche océanographique de dernière génération et nouvellement acquis par le Royaume du Maroc. Elle constitue une étape majeure de la coopération bilatérale entre les deux pays, offrant une dynamique concrète aux efforts conjoints de développement durable du secteur halieutique. Deuil dans la presse béninoise, la journaliste Annick Ballet n'est plus. Une nouvelle qui a abattu plus d'un, et pour rendre hommage à cette icône, Fraternité écrivait que le départ pour la félicité céleste de la journaliste présentatrice
est chargé de mission auprès du directeur général de Radio-Télévision du Bénin. Annick Ballet a été annoncée le mercredi 14 février 2024 à Paris des suites d'une maladie. A rappelé qu'avant son décès à l'âge de 60 ans, Annick Ballet a aussi été rédactrice en chef, chef de programme à l'ORTB et directrice de Maïcha TV du groupe Africable. La Nation ajoutait qu'elle a déployé toutes ses ailes pour l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, notamment la télévision nationale dont elle a été la rédactrice en chef, un poste duquel elle démissionne en 2010 avant de faire son comeback en 2016 où elle a été nommée chef programme. L'annonce de son décès intervenu laisse perplexe l'ensemble de la presse béninoise. Elle était en France depuis quelques mois pour y suivre les soins appropriés suite à une maladie qui la décimait en silence. Avant son retour au Père Céleste, Annick Ballet était chargée de mission du directeur général de l'ORTB. Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire. C'était à l'instant le résumé des informations relayées par les canards parues cette semaine et parvenues à la rédaction de Canal 3 Bénin. Merci à vous, à Siomo Kanyi, à Siomo. On se retrouve dimanche prochain avec d'autres informations. En plateau pour le tour d'horizon de l'actualité nationale, il est déjà installé. Nazer Vicou, bonjour. Bonjour Idriss Boukari et salut à tous les téléspectateurs de Canal 3B. Journaliste sportif et directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent, merci d'être avec nous. Vous étiez de l'autre côté de la Côte d'Ivoire pour suivre le match de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. On fera le point, mais avant on va parler politique avec les débats sur la révision de la Constitution. Alors quelle lecture faites-vous des positions des différents partis politiques? Bon, je crois que c'est un débat qui ne mérite pas d'être porté devant l'opinion publique nationale et internationale pour l'instant, parce que ce n'est pas ce qui intéresse les Béninois maintenant. Nous sommes à moins de deux ans des élections générales. Il va falloir que ceux qui nous dirigent actuellement, le régime actuel, se focalise un peu sur le devenir des Béninois. Bon, la révision de la Constitution, je ne sais pas pourquoi ça tient. Et tout le monde, les débats vont dans tous les sens. On dit qu'il faut réviser parce que la Constitution, elle est vieille de plusieurs années. Si elle est vieille, il va falloir qu'on... Elle a été révisée en 2019. Oui, et vous voyez ce que ça a généré comme polémique. Et vous savez ce qui s'est passé. Vous vous rappelez, bien sûr. Et pourquoi ne pas attendre qu'après 2026, après ce régime, ceux qui vont revenir, bien ceux qui seront là, ils vont faire un consensus, des concertations, appeler tout le monde autour de la table, aller en quelque sorte à un dialogue, et recueillir des propositions pour voir ce qu'il a lieu de faire. Mais aujourd'hui, vous voyez, tel que le débat se passe, et il a un peu de suspicion. Et vous voyez, on est là, l'opposition qui soupçonne le camp d'en face pour dire qu'il a quelque chose, il a anguille sous roche. Quand le chef de l'État est venu éclairer pour dire que moi... Il a rassuré. Vous savez, la parole d'un chef d'État, c'est une parole sacrée. Mais quand le chef de l'État parle, je ne veux pas de la révision de la Constitution. Le chef de l'État rassure. Je ne veux même pas qu'on touche à une seule virgule. Et au bon moment, ses partisans disent qu'il faut aller, il faut réviser le code électoral. Et le dossier est déjà affecté. La commission. C'est l'Assemblée nationale. Oui, le porteur de cette proposition, l'honorable Hassan Seibou, si le chef de l'État... Je ne doute pas de sa sincérité, je ne doute pas de sa parole. Mais celui qui est porteur de cette proposition, s'il lui donne les instructions, il l'instruit pour dire, il faut faire retirer ça d'abord. Il faut qu'on ait une concertation nationale. Il faut que l'opposition... Vous voulez que le gouvernement s'ingère dans le fonctionnement? Non, ce n'est pas que le gouvernement... L'UP qui dit qu'il soutient la révision de la Constitution. Le BR qui dit je soutiens la révision de la Constitution. Ces deux parties soutiennent les actions du chef de l'État. Oui. Qui a initié le projet de loi? Qui a initié les articles qu'il faut corriger?
le moment ne s'y prête pas, le débat n'est pas, ce n'est pas le moment. Je crois que ce qui se passe, vous avez vu, vous avez rappelé ça tout à l'heure, en 2019, voilà ce qui s'est passé. On a voté des lois. Et notamment, on a inséré des trucs et, c'est le, et on disait 5 ans, c'est 5 ans. Et après, il y a eu beaucoup de débats. Des gens sont allés en prison et vous revenez encore à 2 ans de la fin de votre mandat. Vous dites, non, il faut faire ceci, et il faut faire les élections, et il faut coupler les élections. Après, vous dites, non, il faut faire telle élection parce que ceux qui doivent parrainer, c'est le chef de l'État, celui qui sera élu. Il faut qu'on fasse, on passe à ces élections d'abord. Vous voyez qu'il y a un peu de mêlée-boulot. Et je crois que le moment aussi est prête pas. Il va falloir que chacun ramène la balle à terre, passer à autre chose parce que l'autre pays, le Bénin, est vraiment en arrière. Oui, d'accord. D'accord. L'examen de la proposition de la révision de la Constitution est programmé à la session du mercredi prochain. Alors, à quoi doit-on s'attendre concrètement? Moi, si j'étais même au sein de la mouvance, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a des députés qui soutiennent ça? Et c'est là j'ai un peu peur. Non, mais officiellement, les deux blocs, l'Union progressiste, le Renouveau, le bloc républicain, soutiennent donc la révision de la Constitution. Soutiennent au mouvement. Et sauf les partis de la mouvance qui ne sont pas représentés au Parlement, Mouel, Bénin et la. Tout à fait. Alors que l'opposition actuelle, qui, le parti, les démocrates, représenté par qui représente l'opposition, dit niet. Et déjà, selon les informations que j'ai eues, tous les 28 députés ont déjà envoyé leur procuration. Ça veut dire quoi? Ce projet n'est pas parti pour prospérer parce que, j'ai lu tout à l'heure les différents articles qui disent pour que ça, la première étape, il faut avoir 81,81%. La mouvance aura besoin de députés. Donc, il faut, si je dis 81, ça fait 82. Alors que les deux blocs, ça fait combien 81? Ça veut dire déjà que ça échoue. La seconde étape, à supposer que ça prospère, la seconde étape, ça fait quoi? Il faut plus de 86 ou 87 députés. Ils auront besoin de à peu près 6 députés. Donc, il faut aller débaucher au niveau des opposants. Ce qui n'est pas impossible. Bon, on entend, mais si, dans la poursuite actuelle des 28 députés, il ne sait pas avérer qu'il est trahison. Je crois que ce débat et cette révision ne va pas prospérer. Moi, je pense que ce n'est pas le moment. Est-ce qu'il y a un moment, à partir du moment où on n'est pas à 6 ans, à 6 mois des élections, est-ce qu'il y a un moment pour réviser la Constitution? Non, il faut. Qu'est-ce que nous voulons dire? Il faut aller à un conseil pour réviser. Vous savez que c'est. On parle de quoi? Coup d'État institutionnel. C'est parce qu'on veut toucher à tel article, ça n'avantage pas l'autre. Et c'est ça qui amène problème. Et on dit pourquoi il faut toucher à tel article? Parce qu'on veut dire, on veut écourter le mandat du chef de l'État. Et on doit lui retirer. Parce qu'il faut au même moment couper les élections. Après, on dit. Il faut organiser telle élection parce qu'on veut connaître ce sont les députés qui seront élus en ce moment-là, qui vont parrainer. Alors que ce qui a été inséré en 2019. Encore que le chef de l'État, il a été clair, il va partir en 2026 et qu'il n'a même besoin de personne pour assurer ses arrières. Oui, c'est pourquoi. Alors pourquoi est-ce qu'on a encore des doutes, on a encore des craintes quant à la révision de la Constitution? Oui, autant de doutes parce qu'au moment quand lui parle, cette autorité ferrée, c'est ceux qui sont ses soutiens, sont là et disent non, il faut nécessairement, le moment est là, il faut qu'on aille à la révision, il faut réviser le code électoral, il faut toucher à tel article. Alors que dans tout pays, quand il s'agit de réviser la Constitution, il faut une large concertation, il faut demander l'avis du peuple. Est-ce que ces députés, avant d'initier cette proposition, ils ont été représentés, ils ont eu une base. Est-ce qu'ils ont fait, dans un premier temps, une tournée de sensibilisation pour aller vers la base, vers la population? Voilà ce que nous voulons faire. Ne croyez pas, il ne faut pas que les gens vous bourrent les oreilles. En ce moment, l'Union progressiste, le Renouveau est sur le terrain. En train de sensibiliser, de quel genre de sensibilisation? Non, moi, faut-il au moins revoir, modifier le code électoral tout au moins, non? Oui, modifier, là d'accord, mais ce qu'on aurait souhaité, qu'il y ait un peu de consensus. Pour l'instant, le consensus n'y est pas. C'est ce qui pose le problème. C'est ce qui pose le problème. Il faut même, dans un premier temps, négocier, demander l'avis des autres députés. Parce que vous n'êtes pas seulement ces 81, vous êtes 109. Même si les autres ne partagent pas votre vision, ils sont dans leur camp, où nous sommes des opposants. Il faut les contacter, discuter avec eux. Vous dites tant. Eux-mêmes, ils ont fait des propositions.
L'opposition, le parti de la démocratie, ils ont fait des propositions. Pourquoi ne pas prendre en compte aussi ces propositions-là? Eux, maintenant, quand ils iront devant la base, ils vont expliquer. Pourquoi on dit, bon, voilà, on ne veut pas sauter le verrou. C'est ce qui pose le véritable problème. Le verrou pour dire, ou bien on veut toucher à tel article pour permettre au chef de l'État de continuer, ou bien c'est le septennat qui revient. Il a beaucoup de choses. Donc il faut nous expliquer. Il faut expliquer ça à la population. Et puis ce sujet qui a également dominé l'actualité cette semaine, supposé projet d'assassinat des responsables du parti Les Démocrates, le parti a donné l'alerte. Quelle est votre opinion sur le sujet? Bon, je dirais simplement qu'il n'a jamais eu de fumée sans feu. Si le parti, ceux qui composent ce parti, selon pas, ce ne sont pas de vieux individus, nous avons des personnalités responsables. Yahi Boni n'est pas n'importe qui. Les députés de l'opposition, ce ne sont pas de vieux individus. En politique, on peut se victimiser. Non, non, ce ne sont pas se victimiser parce qu'il a des choses passées. Peut-être, je suppose qu'ils ont eu des informations. Ils ont dit bon, il faut qu'on commence à arrêter. Ce n'est pas, qu'on suppose, bon, on invente bien. On est en train d'imaginer ou bien on est en train d'indexer quelqu'un. Peut-être qu'ils ont eu des informations. Il va falloir porter ça au niveau de l'opinion publique nationale et internationale pour dire que ah, voilà ce qui se passe. Ils ont sorti un communiqué, ils n'ont indexé personne, ils n'ont pas dit c'est temps, ils n'ont pas dit que c'est tel. Non. C'est comme vous aussi qui êtes là, Idrissou. Votre sécurité est menacée. Vous allez à la maison, vous voyez des gens qui vous filent. Vous avez des situations. Vous pouvez vous plaindre à qui de droit de sortir et communiquer. Aller vers le commissariat qui est le plus proche, mais saisir le procureur pour dire voilà ce que je vis. Qu'est-ce que ça? Je ne comprends pas. C'est normal. Vous avez suivi la réaction du porte-parole du gouvernement qui parle de la théâtralisation. Donc non, il ne revient pas au porte-parole de réagir en ces termes. C'est comme si il se sent, il défend un régime. Ça veut dire que qui se sent mauvais se mouche. Quand il commence à défendre le gouvernement pour dire, bon, c'est parce que... Non, il ne lui revient pas de dire ça. Il dit, oui, nous avons suivi le communiqué du Parti des démocrates. Oui, c'est normal. Bien, nous allons... Le procureur va ouvrir une enquête. Le procureur, d'ailleurs, s'est saisi de ce bout. Il laisse le procureur faire son travail. Bon, nous allons attendre les conclusions, les résultats. Mais dire que... le Parti des démocrates est dans son droit de dire, voilà ce que nous sentons, nous sommes, notre sécurité est menacée, c'est normal. Mais il ne revient pas à un porte-parole du gouvernement pour dire, c'est de la théâtralisation, c'est de la victimisation. Non, on n'a pas besoin de dire ça. Que peut-on espérer de la suite à donner à cette affaire, si déjà le gouvernement qui est garant donc, de la sécurité de chacun de nous prend position? Donc, ça veut dire que le procureur m'en excuse vivement que... L'enquête qui est ouverte aboutit, sinon on a vu plusieurs dossiers des gens, les enquêtes, le procureur a ouvert des enquêtes, vous vous rappelez le stade de l'amitié, le drame survenu lors du match, et donc je crois qu'il va falloir que le gouvernement prenne les taureaux par le corps, mais que la sécurité des populations soit plus renforcée, parce que si quelqu'un se lève un jour et dit « ma sécurité est menacée, je ne suis pas en sécurité », ne revient pas à quelqu'un de monter au créneau pour dire non, c'est de la théâtralisation. Il ne faut pas banaliser les choses. C'est comme ça moi je vois les choses. Et je crois que actuellement, nous avons besoin de la paix dans notre pays. Alors, on va parler très rapidement en sport avec vous, Nazer Vico. Vous étiez en Côte d'Ivoire dans le cadre donc, de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. D'abord, sur le plan organisationnel, qu'est-ce que vous avez constaté? Il faut dire qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais il faut tirer chapeau à la Côte d'Ivoire. Il faut tirer chapeau au comité local d'organisation. Il faut tirer chapeau au chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui a mis tous les moyens, qui s'est impliqué. C'est un lourd investissement, ce que nous, on a eu à voir en Côte d'Ivoire. Vous allez circuler, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, si vous circulez dans les différentes villes, les stades construits, vraiment, c'est magnifique. Eux-mêmes, ils l'ont décrété, la CAF de l'hospitalité, et vraiment, l'hospitalité était légendaire. Donc, c'est une réussite totale, même la CAF elle-même s'en est beaucoup félicitée. Je crois qu'il est temps, pour ceux qui dirigent nos différents sports, je veux parler du football en particulier, qu'ils aillent. Quand il s'agit de ces grands événements, il faut qu'ils aillent voir, copier un peu. Parce que quand vous allez dans ces événements, vous allez assurer encore que vous êtes journaliste pour couvrir. Quand vous revenez chez vous, vous avez la migraine.
Vous êtes complètement déçu parce que ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, en 2022, ce que j'ai vu au Cameroun, en 2019, ce que j'ai vu en 2023, lors du chat, ce que j'ai vu en Algérie, je me demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne peut pas faire un tel, on ne peut pas abriter, pourquoi on ne peut pas être bien organisé comme ceux-là. Vous avez les stades. Le gouvernement fait de gros efforts. On a construit les 22 stades. Mais c'est des stades qui ne sont pas aux normes. Alors que quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez à Abidjan, vous allez voir deux stades qui ont abrité les différents matchs. Et Bempe, Félicia, vous allez à Korogo, vous allez à Yamoussoukro, vous allez à San Pedro. C'est des stades magnifiques. Pourquoi on ne peut pas avoir ces stades? Tant que vous avez ces gens de stades, ces gens d'infrastructures, le sport va se développer chez vous. Quand vous avez de belles infrastructures et que vous avez, on va dire, une mauvaise organisation donc du personnel sportif, est-ce que ça va prendre C'est la mentalité. Parce que chez nous, quand l'argent est là, c'est miam, miam, miam. Comment faire pour détourner? On ne veut pas faire la chose. Même si vous détournez, l'argent est là, que vous voulez détourner, faites bien l'effort, faites la chose au moins pour que les gens vous apprécient. Ils veulent seulement bouffer, détourner, devenir riche, acheter, construire les belles maisons, acheter les belles voitures, alors que le problème de notre sport en général, ce n'est pas parce que l'État fait les efforts. Vous avez vu ce que l'État met, le gouvernement qui est là, ce qu'il met. On construit les 22 stades. Pour permettre à la jeunesse de pratiquer du sport. On met quand ça des subventions, on donne jusqu'à 40 millions au club. Là, il faut saluer ça, mais l'organisation pratique, comment ça se passe? Une lecture globale donc, du déroulement des compétitions. Nous avons eu des surprises avec les équipes comme le Cap-Vert et la Guinée équatoriale. Nous avons eu également, on va dire, des débâcles ou des déceptions des équipes comme l'Égypte, le Maroc, le Sénégal, le Ghana. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, c'est ce que je vous dis, il faut travailler et ne pas dormir sur votre laurier. Quand vous travaillez et que vous pensez que je suis déjà le roi, je suis indétrônable personne. Et l'autre, il est derrière, il travaille, il vient voir ce que vous faites, il travaille. Ce n'est pas parce que ces équipes, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Mali, la Mauritanie, la Mauritanie. Ce n'est pas parce que eux là, ils viennent pour apprendre. Mais au fil des années, ces équipes-là apprennent. Et les dirigeants qui sont là se prennent sur lui et disent, ah, ce que j'étais à la CAN en 2019. Il faut qu'en 2021, je viens là. C'est pour progresser un peu. Si je viens en 2023, c'est encore pour progresser. Pendant ce temps, vous êtes là, vous ne travaillez pas. Vous prenez le cas du Bénin. On était en 2019, on était en Égypte. On était allé en quart de finaliste. Aujourd'hui, nous, le Bénin est où? Absent deux fois. Pendant que la Guinée-Bissau a fini dernier, la Guinée est 24e au terme du classement, mais la Guinée-Bissau n'a jamais raté. Le CEP, bien sûr, qualifié. La Guinée qu'on a créé aujourd'hui a progressé. Le Cap-Vert échoue. Vous voyez, non, ça veut dire que ceux-là ne dorment pas. Il a mis un regard. C'est parce qu'il leur manque un peu de choses. Nous avons une équipe nationale depuis un certain moment qui est complètement amortie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Alors qu'il y a le rendez-vous du Maroc Il faut commencer, il faut se lever maintenant. Qui veut voyager loin, mais on ne sait même pas quels sont ces joueurs qu'il faut convoquer pour commencer la campagne. Parce qu'il a le mondial, même temps qu'il y a les éliminatoires. On joue en juin deux matchs consécutifs en juin. Les éliminatoires, quand 2025, en septembre, on commence. Vous voyez, on a plusieurs échéances, mais on est là, on va dormir, on va attendre, on va dire bon, on va garder telle équipe dans la bouche. Et puis quand ça vient, ça tombe. C'est ce qui se passe chez nous. Et c'est vraiment dommage. Alors, le sacre de la Côte d'Ivoire, le miracle d'abord de sa qualification en huitième de finale. Finalement, la Côte d'Ivoire qui décroche sa troisième étoile. Et puis récompensée également par Alassane Ouattara. Oui, personne ne les attendait à cette étape de la compétition. Les revoir en finale, une équipe qui a démarré timidement, battue d'ailleurs par le Nigeria, le même Nigeria en match de poule, et que battue, une débâcle devant la Guinée équatoriale. Ils n'avaient plus leur destin en main. Leur dernier match, il fallait faire quoi? Attendre le résultat parce que il a la place de meilleur troisième. Oui, que le Maroc. Le Maroc s'étant fait éliminer, alors ça les arrangeait. Alors ils se sont dit quoi? Il a beaucoup de bruit, il faut licencier, il faut remercier le Français qui est là, qui est payé à coup de millions, soit 11 millions comme ça, vous ne faites rien. Et MS Fassi, qui est un fils du terroir, qui est dans le stade, qui connaît bien l'équipe, qui connaît bien ses compatriotes, quand il est parti, il a beaucoup de bruit, il faut faire revenir Hervé Renard,
Mais les gars, il a appelé les gars, il a dit, nous avons maintenant un honneur à défendre. Je ne dirais pas un miracle, c'est parce que en eux-mêmes, porter le mal de l'équipe nationale, ce n'est pas comme un club, c'est la nation. Il est arrivé à un moment, les gars ont dit, c'est la vie ou la mort. Nous devons laver la front parce que 4-0 devant nous. Et devant le devant le chef de l'État. Mais le patron même, il s'est impliqué dans cette qualification. Il les appelle, les coups de fil. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Remonter. Et vous avez vu la suite. Tous les matchs ont été gagnés. C'est la vie. Vous les voyez sur le terrain, mais vous, tout le monde se demande, c'est une Côte d'Ivoire et une équipe des éléphants qui s'est véritablement métamorphosée. C'est ça qu'on appelle. Le patriotisme, la vie ou la mort, c'est-à-dire la hargne, on a vu, on a senti, même s'ils sont menés, vous voyez les joueurs là, c'est ça. Quand on t'appelle pour défendre les couleurs de l'équipe nationale, c'est ça. C'est pas, on te convoque en équipe nationale, tu vas penser au prime. Est-ce que les Guépards, est-ce qu'on peut espérer la qualification des Guépards pour Maroc 2025? Moi, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure, mais je ne crois plus en cette équipe nationale. Si ce sont les mêmes joueurs amortis, après quelques deux, trois. S'il y a eu de miracles en Côte d'Ivoire, pourquoi pas le. Non, il n'y a pas de miracle en Côte d'Ivoire. Les gens ont travaillé. Mmh. Et il a des jeunes, la jeune génération qui veut aller loin. Nous avons des joueurs qui sont en troisième division. Un championnat sur lequel on peut se baser pour. Oui, on peut se baser. Il a un travail de sérieux qui se fait avec ceux qu'on a là, comme techniciens, entraîneurs, qui font de belles détections. On peut construire une équipe nationale locale et c'est à base de ça qui sera la brevière pour servir l'équipe nationale. Mais quand on va toujours penser. Et au même, pour dire, il faut aller appeler des expatriés qui viennent. Bon, l'intérêt national n'est pas tellement. C'est les primes qui les intéressent. Ça ne va toujours pas marquer. Ça ne va toujours pas marcher. Quand vous prenez l'équipe de la Côte d'Ivoire, il a combien de binationaux? Les Gradel, les Konoussou, les Faye, Adingra, ce sont des. Ivoiriens. Qui sont passés par des centres de formation. Et c'est là qu'il faut faire le travail aussi au niveau des centres de formation. Il faut les encourager. C'est vrai, il a quelques brebis galeuses qui se disent, j'ai fait de formation, mais il n'a rien. Il faut revoir tout ça là. Et je crois que quand vous prenez le Mali, centre de formation, Côte d'Ivoire, centre de formation, et le Sénégal, oui, vous voyez le résultat sur le terrain. C'est ce qu'il faut faire désormais. Nazaire Vicourt, journaliste sportif et directeur de publication du quotidien Le Pays émergent. Merci pour ces analyses. Très bonne journée à vous. On se retrouve dans quelques semaines. Oui, on se retrouve. Tout le plaisir serait encore pour moi de vous retrouver parce que nous sommes là pour servir la nation. D'accord. Bon dimanche à vous. Mesdames et messieurs, voici à présent notre artiste de la semaine. Comme je vous l'annonçais, c'est bien Winner qui sera avec nous sur ce plateau dans un instant. The pop music universe. Dreams like da da da. Hey, oh ma chérie, tu peux croire en moi, mon respect, ma fidélité. Dans mon dessin, je serai à l'image de mes sentiments, baby. Aime-moi sans aucun doute, ma seule raison de vivre, c'est toi. Je voudrais bien te chanter tes mélodies simplement avec ma voix. Amour sans limite, amour sans faillite. Que Dieu nous unisse, grand et merveilleux. Amour sans limite, amour sans faillite. Ça fait de toi ma go go go. Dans ce truc en toi qui me met KO. Tantôt j'aime si bien, parfois j'en perds même les mots. Ce soir c'est toi qui le donne. Prenons notre vol. C'est parti pour une jolie nuit de noces. Tu es pour moi ce que les rêves flamment.
Après du temps, je me sens vraiment âme. Winner sur le titre Couronne, c'est notre artiste de la semaine qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau du grand format de ce dimanche. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Monsieur Idrissou. Alors comment vous portez? C'est va, un plaisir hein, de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors Winner, c'est qui? C'est un gagnant. Qu'avez-vous gagné, Winner? Ah, j'ai gagné la couronne. Oui. Ouais. J'ai gagné l'amour de... du commun des Béninois. Ouais. Et je pense que je vous ai gagné aussi. Tout à fait. Et c'est à un fait. Plaisir d'être sur l'émission déjà. Tout à fait. Ouais. D'accord. Alors, la musique et vous, on va dire que c'est une longue histoire née d'une mère choriste hein, et c'est d'un ça. Père trompettiste dans l'escadron de l'armée de terre. C'est la ça. Musique, s'est-elle imposée à vous ou vous l'avez héritée? Je vais dire que c'est un héritage. Comme vous l'avez dit, le père trompettiste, ouais. La mère choriste. Choriste Déjà, j'ai été bercé par les belles sonorités depuis le bas âge. Mm-hmm. Donc, je ne dirais pas que... Bon, je vais dire déjà que la musique s'est imposée à moi. Mm-hmm. Mais après, il faut dire que de base, moi aussi, j'aimais déjà tout ce qui est notes et tout ça. Et où ça sonnait de la bonne musique, moi, je pouvais rester sans manger et tout ça. Donc, je pense que... j'aime bien ouais. Déjà ce que enfin, tout ce qui est belle musique, tout ce qui parle de chant et tout ça, donc c'est ça. D'accord. Et puis cette influence musicale donc de vos parents vous a poussé à rejoindre vous aussi la chorale, puis vous initier à certains instruments musicaux, le piano, la guitare, c'est solo ça. C'est ça. Et puis est-ce que en ce moment vous aviez pour ambition de devenir artiste? Bon, là à la base c'était juste une passion. Mm-hmm. À la base c'était une passion. Mm-hmm. Mais après c'est devenu une profession pour moi là, parce que tout de suite je puisse quand même m'affirmer artiste au vu de tout ce qui a été réalisé jusqu'à aujourd'hui. Quitter juste une passion pour une profession maintenant, je pense que tout de suite je peux dire que le rêve il est atteint. D'accord. Et à leur tour, qu'est-ce qu'ils voulaient de vous? Je parle des parents. Est-ce qu'ils vous poussaient également à devenir artiste? Déjà, les parents me donnaient assez de force. Mm-hmm. Je les salue déjà au passage. Je salue papa qui est là, qui a bien la télé. Pour lui, aucun n'a pensé que ça pourrait terminer par une profession. À la base c'était apprendre comment bien chanter parce que j'étais dans la chorale, donc il fallait que je maîtrise les notes, donc la justesse, la précision dans les notes. Donc tout de suite c'était ça la base. Mais après, vu l'élan des choses, il a fallu un bon coaching, il a fallu qu'il me mette un peu sur le trois chemins. Donc quand il a vu que tout était en train de virer au pro, en fait, de la chose, ben, il a accueilli l'aspect oui. artiste oui. de celui que je deviens. Tout donc à fait. Je pense qu'il est aussi fier. Hein, d'accord. Sois, d'accord. Ouais. Et jusque-là, on va dire que rien n'était suffisamment clair dans votre tête, donc sur votre ambition de devenir artiste, puisque après le bac, vous avez opté pour l'audiovisuel. C'est ça. C'est ça. Est-ce que c'était pour devenir journaliste non, ou cinéaste ou réalisateur? Bon, à la base, j'étais pas encore trop sûr de. J'étais beaucoup plus concentré sur les études, oui. sur la réalisation. Cinéma TV et tout tournait autour de l'art pour le moment. Donc entre temps la musique c'était juste une passion, donc j'ai fait les études en cinéma en cinéma TV, en réalisation cinéma TV. Et je pense que là maintenant j'essaye quand même de joindre les deux. Le but n'était pas, en fait, entre temps le but était de m'installer confortablement là déjà dans un bureau et faire ce que le réalisateur est en train de faire actuellement. Tout à fait. Mais bon, la musique m'a fait la cour de façon agressive. Donc là tout de suite je me retrouve quand même là, je n'ai pas laissé les études, enfin je n'ai pas laissé ce que j'ai appris, mais au contraire j'ai su agencer les deux pour que dans mes œuvres, pour que dans mes clips, déjà vous remarquiez un certain nombre
de détails quand même assez précis. Tout à fait. Tout voilà, à parce qu'avec le réalisateur, à chaque fois, on essaye de bien faire pour que... D'accord. Et puis, on va dire, un an après, en 2018, vous avez décidé complètement de vous lancer en musique. Qu'est-ce qui a déclenché? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Je pense que c'est juste venu comme ça. Oui. C'est juste venu comme ça. Sur un coup de tête, je me suis dit, mais si je sortais un projet propre à moi, et on verra ce que ça va donner. Et quand je me suis lancé, je pense que les retours m'ont donné de la motivation à continuer. Et voilà. Et le fruit de cette détermination, c'est le tout premier single que vous avez sorti, une chanson purement percussion. C'est ça. Et quelles ont été les conditions de sortie de ce, on va décider, un coup d'essai pour vous? Bon, c'était en 2017. Oui. Papa m'avait aidé à entrer en studio. Et après ça, ça a été un album sorti de 10 titres. Et après... L'album Vignon. C'était en 2017. Et là encore, ce n'était pas encore trop certain la carrière musicale en fait. Donc, c'est en 2018 que je me suis dit, bon voilà, il fallait me lancer parce qu'il y avait aussi les études qui étaient quand même un frein pour que je ne sois pas vraiment à fond. Donc, je pense qu'après, quand j'ai fini le cursus, je me suis assis et là, il fallait quand même me lancer. Vraiment me lancer dans la chose. Donc il y a eu la percussion, vraiment le son, et c'est ça. Et Vion, c'est 10 titres. Oui, Vignon, c'est dit. Et quel est le titre phare donc de l'album? C'est ça, c'est Vignon. Effectivement, le titre Vignon. Oui, c'est ça. Le titre Vignon. Ouais, c'est ça. Alors, comment est-ce que, on va dire, les fans ont-ils accueilli cet album? Bon, dans le temps, j'étais pas encore trop ouvert aux réseaux sociaux. Oui. Je m'y maîtrisais pas, je m'y connaissais pas grand chose. Donc là, on a aucun de ces titres sur les réseaux. Oui. On a juste que la disquette. Juste là, on n'a pas les titres sur les réseaux. Mais bon, pour ceux-là, dans le temps qui ont écouté, je pense que ça vous a avez été un aimé, bon retour. Ça, ouais, les retours étaient... Et justement, l'album vous a permis de toucher un certain nombre de stars, notamment à Dibi Dobo. C'est ça. La rencontre avec Dibi Dobo, comment ça s'est passé? Ah, c'était lors d'un festival. Bon, je veux dire que ça a été rendu possible par... un proche à moi, je le salue au passage, Jaurès Coupemedi. J'ai été acteur principal dans le film et je jouais au piano et je chantais, j'ai fait la reprise du temps de Dibi Dobo. Et chose que mon proche a montré au manager de Dibi, qui a facilité le contact. Et il m'a présenté à Dibi dans la période où on a sympathisé. Et c'est comme ça c'est né la collaboration avec Dibi. On est resté, on a fait 3 ans. Il m'a enseigné des choses. Et je pense que ça fait qu'aujourd'hui, j'ai aussi quelques notions en plus de ce que j'avais déjà. Et tout à fait. Je lui dis merci. Et puis, ce cover que nous avons connu avec le titre Trélélé de l'artiste T-Boy. Quelle relation avez-vous avec lui? Bon, T-Boy, je le connais pas personnellement. Personnellement, je connais juste sa musique, ce qu'il fait. Et ça a juste été sur le coup de l'inspiration. Trélélé parle de quoi? C'est une chanson d'amour. Oui. Allons-y, misère, ou quel est non? Je pense que tout le monde connaît cette chanson-là. Ouais. Mais il paraît que Winner parle beaucoup amour dans cette chanson. Oui. Pourquoi? Bon, c'est comme je le disais, juste de l'inspiration. Ça n'a pas forcément rapport à des vécus personnels. C'est juste de l'inspiration. Je chante, j'aime chanter la femme. J'aime magnifier la femme. Parce qu'il y en a assez d'elles. Qui aimerait que le conjoint le dise certaines choses, mais bon, tout le monde n'est pas romantique. Tout à fait. Donc, à travers mes chansons, j'aime faire ressentir des choses qu'elles n'ont peut-être pas l'habitude d'entendre de leur conjoint. Donc, d'accord. Et puis en 2021, Winner a fait connaissance de Isma Manaja. C'est et ça. Puis une rencontre qui a permis de se perfectionner davantage. Le résultat, c'est bien le morceau Chika Chika. C'est ça. D'accord. C'est on ça. Va suivre un extrait et puis on revient sur ce plateau. Intouchable empire,
toi et moi c'est pour la vie. Ils sont nombreux à courir, c'est moi que t'as choisi. Migosi, Mali, Paris. Devant le prêtre, on s'est dit oui. Laï, laï, bisi, mi, laï. Baby, ana, oubi, wa. Aze, mi, bondé, ando, mi, bondé. Bene, fi, wa, imi, wa. Laï, laï, bisi, mi, laï. Baby, ana, oubi, wa. Aze, mi, bondé, ando, mi, bondé. Bene, fi, wa, imi, wa. Achika, Chika, morceau signé, une notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Alors, Achika, Chika, parle quoi? Bon, c'est toujours une déclaration d'amour faite à ça du signé. Hein. Oui. Mais c'est un peu plus conceptuel dans la mesure où je voulais ramener, je voulais jouer sur le concept Achika, Chika de Tata Inès, ouais, qui n'était plus en vogue dans la période, mais que j'ai voulu ramener, histoire de faire chanter la chanson même aux petits-enfants, en fait. Donc c'est ça. D'accord. Et puis vous évoluez, on va dire, dans R&B, oui, la soul, également dans l'afro, oui, dans l'afrobeat. Effectivement. Comment faites-vous ce mélange de styles musicaux? Bon, je pense plutôt que c'est en fonction de chaque inspiration, c'est en fonction de la façon j'ai envie de passer un message. Ça. Si parfois, parce qu'il faut parfois, il faut pas tout le temps être dans la douceur. Il faut aussi varier un peu le registre, la cadence. Pour c'est un peu ça en fait. Varier un peu le rythme et tout ça. Justement, dans votre style musical, qu'est-ce qui vous caractérise? Qu'est-ce qui vous différencie, on va dire, des autres artistes? Qu'est-ce qui fait la particularité de Will? Bon, moi je pense pour la plupart des retours qu'on a actuellement, je pense que c'est ma façon de balader sur les notes en fait. Mais bon, pour les retours que j'ai jusqu'à là, je pense que c'est la sensualité que ça dégage ma voix quand je chante. D'accord. C'est pas personne, moi je dis pas que c'est ça, mais ce qu'on me dit, ça c'est le retour que vous avez. Voilà. D'accord. Avec votre maison de production, le label Pop-Up Music, comment ça se passe la collaboration? Bon, je tiens à préciser que c'est pas Pop-Up Music, c'est pas un label, c'est pas une maison de production. Pop-Up Music, c'est une équipe de trois jeunes, mes deux managers, ouais, et moi. D'accord. Donc ça avance bien. Les deux managers, le premier Isma Manager, et le second pourquoi Pop-Up? Parce que c'est celui-là qui est souvent là. Ah non, tu dois. Non. Ouais, donc, ouais. C'est ça, il s'appelle Adissa, oui, Faïda. Oui. Mais moi j'aime l'appeler Pop-Up parce que lui à chaque fois c'est toujours lui en fait, il est toujours là. Et donc moi je l'appelle Pop-Up. D'accord. Alors dans le morceau Couronne, qu'on a suivi tout à l'heure, vous déclarez votre amour à cette femme imaginaire. Qui est-elle? Bon, c'est votre madame, par exemple. Oui. C'est la madame de tous ceux-là qui nous suivent. Oui. Couronne, c'est juste un titre, c'est juste une déclaration d'amour pour tous ceux-là qui veulent l'écouter. D'accord. Le tout dernier morceau en date de Winner, c'est un feat réalisé avec Fanny Sena, c'est ça. Sur le titre Ananou. C'est ça. On va suivre un extrait puis on revient sur ce plateau. C'est ça. C'est le win-win, tu sais c'est qui. Quand je te regarde dans les yeux, je me demande ce qui a pu se passer. On a arrêté de s'aimer. Malgré tout, je sais que t'es prêt à mourir pour qu'on refasse la fête. Oh, je regrette, chérie, t'inquiète, tu serais plus fort contre moi, c'est pas vrai. Oh, chérie, à moi, même si on tombe, on va se relever. T'inquiète pas, non, même dans le noir, je te reconnais. Oh, bébé, je sais que t'as mal, prends ton courage à demain, on avance, je te promets de m'assurer.
veux pas, non, les maladresses, bébé. À chaque instant qu'on se fera face à face. Voilà donc pour cette séquence du titre Anano, un feat réalisé entre Winner et Fanny Sena. C'est sans doute une très belle collaboration, mais comment est-elle née cette collaboration? La fameuse collaboration, elle est, je pense que jusqu'à maintenant, je suis aussi fier de cette collaboration. Ouais. Parce que moi-même, quand je l'écoute, ça me donne des frissons. Des frissons, oui. Et pourquoi? Parce que j'ai aimé l'humilité de la grande sœur, parce que c'était pas évident. Tout de suite, nous, on était juste en train d'écouter une chanson entre le staff et tout ça. On a voulu qu'il y ait une voix, une figure béninoise qui nous accompagne sur la chanson. Donc, les managers ont proposé que ce soit la grande sœur Fanny Sena. Donc, on est entré en contact avec elle, on a été la voir, on a discuté. Et tout de suite, quand on lui a fait écouter le projet, elle a tout de suite adhéré. Et tout a été fait en une semaine. Il n'y a pas eu d'imprévu. Déjà, je remercie Dieu pour ça. Et tout s'est passé flash. On a appelé le réalisateur, calé la séance studio. En fait, tout s'est passé tellement vite. Et en une semaine, on a fini le projet studio, le clip. Et dans la même semaine, on a sorti ça. Super. Et puis, oui. Ça donne ce que ça donne. Ça. On va finir notre entretien avec justement la reprise du titre Ananou. C'est ça. On peut y aller. Ouais, on y va. Oh chérie à moi, même si on tombe, on va se relever. T'inquiète pas, non. Même dans le noir, je te reconnais. Oh bébé, je sais que t'as mal. Prends ton courage à deux mains, on avance. Je te promets de m'assurer qu'on vivra bien ce meilleur et ce pire. Oh bébé, mon si Roméo. Oh bébé, mon si Roméo. Oublions tout ça, mon si Roméo. Non, 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 mon si Roméo. Même si on tombe, on va se relever. Non, 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 mon si Roméo. Oublions tout ça, mon si Roméo. Non, 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 mon si Roméo. Non, non, non. C'est ça. Winner en direct sur le plateau du Grand Format. C'était notre artiste de la semaine. Merci de votre passage sur le plateau du Grand Format. C'est un plaisir. Et bon vent à vous. Très Merci. Bonne chance. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure Grand Format de ce dimanche 18 février 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Akonaboué. C'est à Porto Nouveau. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 à Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Les yeux, je me demande ce qui a pu se passer. On a arrêté de s'aimer. Malgré tout, je sais que t'es prêt à m'ouvrir pour qu'on refasse la fête. Oh, je regrette, chérie, t'inquiète, tu serais plus fort contre moi, c'est pas vrai. Oh, chérie, à moi, même si on tombe, on va se relever. T'inquiète pas, non, même dans le noir, je te reconnais. Qu'on vivra bien ce meilleur et ce pire. Oh bébé, je sais que t'as mal. Prends ton courage à deux mains, on avance. Je te promets de m'assurer qu'on vivra bien ce meilleur et ce pire. Oh bébé, mon si Roméo. Oh bébé, mon si Roméo. Oublions tout ça, mon si Roméo. Non, 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 mon si Roméo. Même si on tombe, on va se relever.